Ouais, bonjour à tous, c'est Zoragmos et on se retrouve pour une nouvelle session sur Dragon Quest 9, les sentinelles du firmament. J'espère que vous êtes chaud et que vous êtes déter pour la suite de cette aventure comme moi je le suis bien évidemment. On se retrouve pour la suite de ce Nuzlocke où nous étions arrêtés la dernière fois. Attendez, excusez-moi, il y a mon micro qui... Voilà. Nous étions arrêtés après être arrivés dans la ville de Ablitia, si je dis pas de la merde, après avoir aidé Bérangère, tout le toin-toin. Je me suis permis, comme je vous l'ai expliqué, de farmer un petit peu en off. Évidemment, si en off je perds un personnage, je vous le dis et il meurt. Mais j'ai eu du bol, je l'ai pas perdu, ça va, on est au début. Résumé des personnages, nous avons Zorak level 10, Troubadour, Seven level 8, Roublard. Voleur quoi, Raven level 8, chevalier, guerrier quoi, et McAfee, artiste martial level 8, voilà. Le but, ça va être de continuer l'aventure. Je pense qu'on s'arrêtera à Sylvan aujourd'hui, vous connaissez hein, chevalier cœur bon, Sylvan, donc les deux prochains boss qui nous permettront de débloquer de nouveaux personnages pour la communauté d'ailleurs, hein, pour la règle du Nuzlocke évidemment, comme d'habitude. Les règles sont juste ici pour ceux qui sont sur Twitch. Donc on va y aller tout de suite, on ne va pas perdre plus de temps. Salut Abal, j'ai joué au jeu bah, avec tout simplement 1, 2, 3, un émulateur. Salut Aerozel, je suis triste, pas eu la notif, pourtant j'ai tout activé. Ne t'inquiète pas, le stream vient de commencer il y a 3 minutes. Tu n'as rien raté. À part le début où je fais la présentation du live, tu n'as rien raté, ne t'inquiète pas. En tout cas, salut Aurélien, salut Gamersen, salut Seven, salut Aerozel et salut Wolfried du coup. Et Abel qui est sur TikTok. Zoragvos lit le tableau. Un mystérieux chevalier portant une armure noire terrorise notre ville. Que quiconque étant assez brave pour le défier se présente au château. Roi Martus d'Ablitia. Merci beaucoup, bonne soirée à toi. Mais pas de soucis. Bonne soirée à toi aussi. C'est pas la bois. Oh. Voilà. Salut, un des meilleurs Dragon Quest que j'ai recommencé des dizaines de fois. Évidemment. Évidemment, on cherche Shino. Il est incroyable. Salut Fujin Kame Kazemaki Kazekami pardon Dragon Quest DQ9, mon jeu préféré, un des meilleurs évidemment. Attends, lui faut lui faire un peu débile. Salut Tabouret. Indiquez la raison de notre présence, voyageur. Oh, c'est l'annonce concernant l'élimination du chevalier noir qui vous amène. Oui. Dans ce cas, vous feriez mieux d'entrer dans le château si vous voulez en savoir plus. Meilleur DQ DS sans aucun doute. Le meilleur jeu DS pardon. De nouveaux personnages de prévu où tu n'utiliseras pas la réserve. Alors je me suis mis une nouvelle règle que j'ai pas marqué là-haut, c'est une blast d'ailleurs, que j'ai pas mis pour le Nuzlocke évidemment. Pour ceux qui ne savent pas, on est en Nuzlocke Dragon Quest 9. Les personnages de la réserve, je ne les utiliserai qu'à partir du moment où un personnage d'équipe principale est mort. C'est-à-dire qu'en gros je vais avoir les 4 principaux, donc le principal et les 3 de la réserve. Et en fait quand un mec meurt de la réserve, on prend le premier qui a été créé dans la réserve. C'est à dire par exemple, je sais pas, je dis une connerie, c'est merci Blast pour le reset, ça fait sans plaisir. Ça fait plaisir. Imaginons, je dis une connerie, Issam là qui est dans le chat, qui dit que c'est le meilleur jeu de l'histoire. Imaginons, on bat le chevalier Curbon et c'est lui qui est choisi en tant que personne pour faire le prochain personnage. Et bah le prochain personnage qui mourra dans l'aventure, il sera automatiquement le personnage de Issam sera automatiquement mis dans l'équipe. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas moi choisir les personnages qui m'arrangent. Je dois bricoler avec ce que j'ai. Et parfois, peut-être qu'à un moment, je serai obligé, entre guillemets, de sacrifier certains personnages pour pouvoir débloquer dans la suite les personnages avec les classes les plus intéressantes qui pourraient m'aider. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais juste baisser un petit peu ma caméra. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du coup. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si l'angle de caméra est bon du coup. Donc voilà. On sait jamais. Voilà. Dommage, j'arrive trop tard pour toutes les règles. Alors les règles, je vais te les dire mon cher Joker. Un personnage KO est à la fin d'un combat, donc un personnage qui est sous, on va dire, le dessin ou la représentation du cercueil est décédé définitivement. Un personnage recrutable supplémentaire par boss vaincu dans le jeu. C'est-à-dire que dès que je bats un boss, un viewer, que ce soit sur Twitch ou sur TikTok, peut avoir un personnage qui sera créé et utilisé pour l'aventure. Comme je l'ai expliqué, si un personnage meurt, il sera remplacé par le premier de la pile des remplaçants. Donc c'est pas eux qui choisissent, ce sera le premier. Les personnages qui seront faits par les viewers, vous choisissez la classe, la tête, le nom, vous choisissez tout. Et la run est perdue si aucun autre personnage ne peut être créé, c'est-à-dire que j'ai pas de réserve, et que le personnage principal est mis KO en combat. Donc si en gros je me fais out quand j'ai plus de réserve. Ça c'est la fin du Nuzlocke. Voilà, donc en gros j'espère que vous avez kiffé, et j'espère que les règles vous les comprenez quoi. Si je choisis, je vais essayer de te mettre bien. Ah merci, parce que c'est vrai que là la team elle est pas... Voilà, moi je suis pas rassuré hein. Ah, lui faut lui faire une voix.
je vais te le répéter, tu n'iras point le retrouver. Et combien de fois dois-je te le répéter, père? Le chevalier Carbon, oui c'est Carbon parce que Curbon c'était son ancien, my bad, revient sans cesse en ville sans parce qu'il me cherche. Vous ne comprenez donc pas? Si je le rejoins, la paix reviendra à Blitia et la vie pourra reprendre normalement. Ne sois pas ridicule, ma fille. Est-ce que j'ai l'air d'un homme qui donnerait sa fille à ce maudit chevalier? Mais père! Ça suffit, nous avons de la visite. Je ne veux plus t'entendre. Vous là, approchez un peu. Oh, bah j'approche! Oh non! Je me fais agresser là. Là qui me dit approche, je suis sa pute ou quoi? Ah, oh là, oh là, oh là, oh là, qu'est-ce qui vient de se passer? Excusez-moi, voilà, ah, c'est bon. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs au niveau du son, au niveau de l'image, comme d'habitude, si c'est bon, hein, on préfère faire le changement début de stream plutôt qu'enfin. Je me répète, mais c'est important. Je suis le roi Martus, seigneur de ce château et souverain d'Ablitia. Êtes-vous venu parce que vous avez lu le panneau qui se trouve en ville? Oui! Sinon, je viens de finir le JDR en spectateur et c'est toujours aussi drôle. Ah, tant mieux! Ah, tu l'as re-regardé! Génial! Vraiment, vous allez vraiment nous aider! On va y arriver! Vraiment! Alors, vous allez nous aider à vaincre ce chevalier maléfique? Oui! En tout cas, savoir ce qui s'y trame, quoi. Tournebidouille! Vous entendez mener cette mission et affronter le chevalier Carbon? Dites-moi votre nom, mon ami! Zorak, eh bien Zorak, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous devez savoir que j'ai de bonnes raisons de penser à un de demander à un étranger de me débarrasser de ce chevalier de malheur. Ce malandrin s'est infiltré dans mon château dans le seul but d'enlever ma fille. Il a le culot de demander qu'on la lui emmène au lac d'Ablitia un jour et une heure précise. Je suis certain que c'est un piège. Selon moi, il veut que j'envoie des troupes escorter ma fille au lac. Le château sera alors à sa merci, il attaquera. Oui, tout seul évidemment, parce que y a que ça à foutre. C'est pour cette raison que je voulais faire appel à quelqu'un de capable dans votre genre. Mais père, vous ne pouvez pas proposer une mission de cette ampleur à la première personne qui se présente. Ça suffit, je ne serai pas ce ruffian faire sans rien dire. Je trouve ça triste, père. Très triste que vous ne teniez aucun compte de ce que je pense. Je suis désolé, ma fille est assez têtue et elle est persuadée que l'unique solution est de la rencontrer. Ceci dit, Zorak, j'aimerais que vous alliez au lac d'Ablitia pour vous assurer qu'il ne prépare pas de vilains coups. En traversant le pont situé au nord de la ville et en continuant toujours plein nord, vous serez assez vite au lac, pardon. N'hésitez pas à lui donner une bonne leçon si vous le trouvez, d'accord? Faites mordre la poussière à ce malotru. Bien entendu, une belle récompense vous attendra à votre retour. Je place tous mes espoirs en vous, Zorak. Le roi place ses espoirs en nous, hein? La meilleure histoire de boss de fixe, c'est laquelle pour toi? En vrai, chevalier Carbon. En vrai, je suis peut-être un peu biaisé parce que c'est le premier, mais le chevalier Carbon et Sylvan et tout le bordel, pour moi, c'est mon B-Box. Quand j'ai dire DXD, Zorak, quand il sera imposé, t'inquiète. Tout le monde en veut à ce chevalier Carbon, non? Ça serait peut-être le moment de faire une bonne action. Le Tout-Puissant apprécierait sûrement que ces gens nous soient reconnaissants et que nous recueillions plein de bienveillance. Tout semble se mettre en place. Maintenant, allons remettre ce chevalier Carbon à sa place, pardon. Salut mon cher Issou, DQ9. Alors si tu veux savoir les règles, elles sont juste là. Regarde, tu vois, tu as le logo Dragon Quest en haut à droite. Tu as le... Par là, voilà. Tu as le logo Nuzlocke. Et juste en dessous, tu as toutes les règles. Ah oui, merci, mais pas de soucis. Et en tout cas, bienvenue à toi, du coup. J'ai l'impression que tu aimes Dragon Quest 9. Je sais pas pourquoi, mais le fait qu'il y ait marqué Dekuna dans ton pseudo, ça doit peut-être aider. Je me dis, il y a peut-être corrélation. Ça fait allusion, évidemment. Allez, on se casse vers le chevalier Carbon. Alors évidemment, je pense que ce boss-là sera assez simple, vu qu'on est assez haut level, quand même. Plutôt sur Sylvan, ça va être un peu plus compliqué. Même si je pense qu'on devrait pas avoir trop de difficultés avant un certain moment. C'est vrai que Dragon Quest 9 est assez simple, entre guillemets, comme jeu, quand tu prends le temps avant un certain moment. Peut-être qu'après, il y a moyen qu'à un moment, ça parte en couille. Peut-être qu'à un moment, si c'est trop simple, on se mettra des malus aussi. C'est possible. On sait jamais. C'est ici que le chevalier Carbon est censé attendre la princesse, pas vrai? Je ne le vois pas. Il ne va quand même pas nous poser un lapin.
Tu en penses quoi, Zorak? On lui laisse encore quelques minutes? Oui. Oh, j'ai trop envie d'avoir mon date avec le chevalier Carbon, moi. Je l'attends, évidemment. Quand même. Un défi speedrun. Oh, trop compliqué. Je suis vraiment pas bon en speedrun, j'aime pas ça. Ouf, toujours rien. Ça se dit chevalier, ça fait attendre une dame? Pourquoi on ne rentrerait pas à Blitia? On n'aura qu'à dire au roi que le chevalier Carbon nous a fait faux bon. T'as compris? Carbon, faux bon. Pourquoi j'ai la sensation que si je me retourne, il sera là? Salut Quentin Stroll, le meilleur jeu vraiment. Bah oui, attention Zorak, je crois que tu parles trop vite, exactement. Ah! Je disais ça pour rire, non, du météorite. Ouais, faudra que je fasse attention, je suis d'accord avec toi, Islou. Si, on osait en vrai. Ouais, je sais, j'avais le concept depuis très longtemps et j'avais vu quelqu'un concrétiser ce concept un jour sur YouTube. Et je me suis dit, bah, je vais enfin le faire, du coup. Parce que l'idée est peut-être pas si dégueu si on est deux à y avoir pensé, du coup. Donc, je me suis dit, let's go. Et donc, JDR imposait School d'XD. Bah, je ferai un School d'XD en JDR, du coup. Qui êtes-vous? Vous ne m'intéressez pas. Où est la princesse? Libérez la princesse! Libérez ma jolie princesse! Elle Black Knight. Alors qu'est-ce qu'on a nous? Lien de l'amour attaque un groupe faisant très mal aux humanoïdes. Merci Isto des Q9 pour le follow Twitch. Un support d'avoir tous les différents F de la chaîne Vexant Président. Merci à toi. Est-ce qu'on peut désorienter les boss? Je ne suis pas sûr de cette info. Alors attaque toxique, on va tenter. Lame du dragon, ça sert aucunement. Donc on va attaquer normal. Et croche patte. Fais tomber un groupe d'ennemis au sol, aucun intérêt, on va taper. Oh, 22 dégâts! Pouah 7, c'est dégueulasse. 25. 14 quand même. Je pense que ça va être vraiment une formalité ce combat pour le coup, vu que c'est le premier. Et qu'on est un peu trop haut level, j'ai l'impression. Premier secours, ok. Il soigne du 38. Ok. Après c'est évident, on est en Nuzlocke, le but c'est pas de perdre de perso, donc évidemment qu'on va essayer de faire attention au perso quoi. Allez, on fait une full attaque. Ça devrait le faire. Ok. No black, je suis bloqué dans le jeu. Ah, t'es bloqué où, Nabil? 34, ouf. Allez hop. Je suis parti en bateau, mais je me suis TP et je sais plus comment retourner dessus. Retourner sur ton bateau? Bah tu regardes où il est sur la map. Non, normalement c'est... Non, je dis de la merde. Si tu te TP à un endroit, à une ville, normalement le bateau est censé être TP à l'endroit de la map. Genre par exemple, tu te TP à Ouadi, normalement il est censé être à côté de l'eau, sur les gorges de Ouadi en haut. Normalement t'es censé avoir un petit truc qui te le dit. Donc en vrai, t'as juste à TP dans une ville, tu sors de la ville, et s'il y a une... tu prends Ouadi, parce qu'il y a une étendue d'eau, et tu verras au-dessus, il sera là le bateau. C'est Dragon Quest 9 et le sentier du firmament, les gars. Quand t'as fait pour avoir ces graphismes avec un émulateur où j'améliorais les graphismes dedans. Tu me sauvais pas de ces, Nabil? Peut-être d'ailleurs Zorak fait le moins de dégâts de groupe. Oui, parce qu'en fait, le fouet, c'est une arme de groupe. En fait, elle tape tout le monde, donc elle fera moins de dégâts du coup solo, tu vois. C'est pour ça. Premier soin. Hop, tac, toxique qui attaque. Let's go! J'ai galéré pour ce boss, je me rappelle. Ah! Bah, premier boss vaincu! Ce qui veut dire, chat, que vous allez avoir votre personnage, hein, évidemment, comme d'habitude, on rappelle. Dès qu'on bat un boss, un personnage est créé par la commu. On va, du coup, mettre la question. Le premier à répondre à la question aura le droit à son perso. Évidemment, c'est toujours pareil dans le Lost Duck. Bon, les premiers boss que je vous ai expliqué, ça va vraiment être une formalité. Hein, ça va vraiment pas être compliqué. Alors, on va passer, parce que bon. Il a pris un sort, faudrait que je regarde. Et les gantelets de fer, évidemment. Quand même, Carbon, quelle goutte. Oui, de ouf. Je ne comprends pas pourquoi la princesse vous a-t-elle envoyé à sa place. Pourquoi ma bien-aimée Lise m'a-t-elle oublié? Notre promesse ne veut-elle plus rien dire pour elle? Tu comprends ce qu'il raconte, Zorak? Qui est cette Lise? La princesse d'Ablitia s'appelle Élise, non? Pas Lise. Si tu veux mon avis, ce chevalier a les fils qui se touchent. C'est vrai. Ah, comment vous faites pour me voir? Notre météorite, vous m'avez filé une de ces frousses? Alice, quelle belle gosse. C'est ça.
C'est sur TikTok la question aussi, car mon Twitch, j'ai plus le code. Oui, oui, vous en faites pas, c'est sur les deux, c'est sur les deux. Je regarde les deux chats en même temps, ils sont à côté. Dites-moi la vérité, est-il vrai que la demoiselle du château n'est pas la princesse Liz? Oui. Pauvre de moi, ce n'est donc pas ma princesse. Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'elle ne portait pas le collier royal de Mortepen. Je dormais très profondément. Puis il y a eu un tremblement de terre. Je me suis réveillé dans ce pays étrange. C'est comme si j'avais été libéré d'une prison. J'avais complètement perdu la mémoire, à tel point que je ne me souvenais même plus qui j'étais. En voyant cette princesse, tous mes souvenirs sont revenus. Ceux de Liz et moi. Je me suis souvenu que j'étais le chevalier Carbon. Je me suis rappelé que Liz était la princesse de mon pays, Mortepen. La princesse Liz et moi étions jurés... Voilà, allez, on y retourne. La princesse Liz et moi, nous étions jurés un amour éternel et nous étions sur le point de nous marier. Il a donc confondu la princesse Liz et la princesse Liz. Mazette. Mazette. Elles doivent vraiment se ressembler comme deux gouttes d'eau. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Je dois retourner au château pour y présenter mes excuses. Oh oh, à ta place, j'essaierai de le faire changer d'avis, Zorak. Ça ne ferait qu'aggraver la situation. C'est pas faux. Aggraver la situation? Oui, j'ai peur que vous n'ayez raison. Vous pourriez peut-être leur transmettre un message de ma part. Dites-leur que je n'approcherai plus du château. Je suis sûr que la véritable princesse Liz m'attend à Mortepen. Il ne me reste plus désormais qu'à retrouver le chemin qui y mène. No blague, j'ai découvert dans une quest en trouvant une cartouche DQ4 dans un ascenseur à l'hôpital. Pas mal, pas mal. Belle découverte. Salut Flodag. Belle découverte de quoi? Du jeu. Ah oui, le jeu est incroyable. Évidemment. Quand une quest 9 est un jeu incroyable, quand tu le découvres, t'es bien. Ou alors le fameux DQ4 dans l'ascenseur. C'est vrai que c'est une belle découverte pour le coup. Allez hop, c'est parti. Franchement, best jeu. Et oui, allez, c'est parti le chat. Préparez-vous à la question O, la question Co, la question In, la question Coquine. Allez, on va devoir recruter un ami. Bon, quel membre du chat aura le droit à son perso? Je réfléchis. Ok, on va partir là-dessus. Chat, ça sera au premier. Hein. Le premier qui balance la réponse aura gagné. Quel est le quatrième boss de Dragon Quest 9? Voilà. C'est parti. Le premier qui répond, quel est le quatrième boss de Dragon Quest 9? Aura le droit à son perso. Chat en réponse, chat. Non, c'est pas Moby Dick. Pas du tout. Virus, qu'est-ce que... Ah, je veux le nom. Je veux le nom, chat. Ah, c'est... Oui, Blast. Ah, oh, et Nabil qui doit être en PLS, il a marqué Épudémon. Oh, le misclic qui a coûté la victoire. Ah, oh, bah désolé. C'est pas grave, la prochaine fois, mec. La prochaine fois. La prochaine fois, c'est pas grave. Oui, mais Virus, il me fallait le nom, les gars. J'ai demandé le nom, j'ai pas demandé, on va dire, la profession. Je suis Virus professionnel. Non, ça marche pas. Voilà, c'est... En fait, pour dire le truc, c'est que vous avez le gars de l'Exaster, là, l'Hexacorne. Ensuite, on a Chevalier Curbon, Sylvan et Pidémon. C'est ça, les quatre premiers. Moby Dick, etc., c'est bien plus tard. Allez, c'est parti, Blast. Quelle sera la classe que tu... Attends, on est d'accord, Blast, t'as pas eu de perso, toi, hein? Je crois qu'on a eu Seven, on a eu... Parce que, attends, si tu l'as déjà eu... Allez, Blast, faut me répondre au chat. Faut que ça aille vite, faut que ça aille du côte à côte, les gars. Est-ce que t'en as déjà eu un? Non, pas encore. Ok, donc quelle classe? Vas-y, dis-moi la classe. Que veux-tu qu'on jouera quand le premier personnage... Qu'est-ce qu'on jouera quand le prochain personnage... Prêtre. Oui! Un prêtre! Let's go! Allez, homme ou femme?
Ne t'inquiète pas, Nabil, tu l'auras peut-être à la prochaine fois. Ne t'inquiète pas, comme je vous l'ai dit, les gars, on ira jusqu'à Sylvan aujourd'hui. Donc il y aura forcément un autre viewer qui aura un personnage. Ok, taille 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, c'est là, 5, c'est là. Donc tu me dis de 1 à 5. 3, ok. Coupe de cheveux, comme pareil. 1 pour la ligne et ensuite le numéro de la ligne. Donc 1, 2, 1, 3, un machin, tout le bordel. Hein. Vous connaissez la rengaine. Hein. 2-2, ok. Oh, jolie coupe. Couleur de cheveux, bon ça c'est la couleur, hein, pas besoin de dire un quelque chose, tu me dis le nom. Le mec, il sait pas le nom des couleurs, tu sais. Blond, ok. Putain, c'est du blond bien pétant, la vache. Pour les yeux, pareil. Frérot, tu joues au meilleur Dragon Quest, évidemment, mec. Évidemment. Couleur patate, exactement. Couleur, couleur, je vais te mettre une patate, quoi. 1-1, ok. Couleur de peau. Bon là tu me dis 1, 2, 1, 3 parce que là bon. Si tu me dis blanc un peu foncé, je vais pas comprendre parce que là il y a tellement de teintes de ça bordel. 1, 3, ok. Couleur des yeux. Pas de nuit trop cuit mais encore cru. C'est ça exactement, vert, ok. Et le nom, comment on l'appelle? Parce que est-ce que tu veux l'appeler Blas comme toi, mais vu que t'es un homme, prendre un nom de ton personnage, voilà. Ou est-ce que tu veux un nom, un autre nom, tu vois? J'avais joué un meilleur perso que celui-là. Asia, c'est non négociable. Ah, oh, le fils de... Ah, je sais qu'il faut pas dire des insultes, mais le fils de pute. Le bâtard. Ah, le chien de la casse. Ah, je me suis fait Asiaed. Ah, je me suis fait Asiaed. Ah, je me suis fait Asiaed, ah, fils de pute. Alors là, alors là. Ah. Oh hell, Blast Warp the Goat. Ah, je m'y attendais tellement pas de me faire Asiaed comme ça. Alors pour ceux qui savent pas qui c'est Asia, c'est un personnage de l'anime High School DxD, voilà. Pour ceux qui ont la ref. Et le problème c'est que c'est un personnage que je n'aime pas du tout. Mais qui me casse les couilles au plus haut point. Et il a réussi à me la mettre. Je sème. Il a réussi à me la mettre. Ouais, j'espère qu'on fera un autre heal. Hein. Ah, parce que bon, voilà, je parle de la joie. C'est possible de t'interrompre deux petites secondes pour savoir comment t'as réglé l'émulation. Alors, pour régler l'émulation, ce que je te conseille de faire, tu vas sur YouTube, tu as une vidéo qui s'appelle tu mets Desmum Dragon Quest 9 4K, une truc comme ça. Et en fait, tu vas avoir une petite image où tu vas avoir en fait d'un côté l'image du jeu et de l'autre, je crois, tu vas avoir un timecode et quelques petites lignes en vert. Et le mec, dans les 30 premières secondes de la vidéo, il t'explique tous les réglages qu'il faut mettre. Et comme ça, t'auras la super qualité. Si tu trouves pas, tu me le redis, j'essaierai de retrouver la vidéo. Mais normalement, c'est vraiment l'une des premières, tu mets DQ9 Desmum 4K ou 2K ou alors Full HD nanana, et t'es à une des premières vidéos, tu devrais trouver le mec qui te montre les réglages, ça prend 30 secondes littéralement. Ah putain merde, faut attendre la journée, putain, petit follow là, merci Adrien Dupin, ça fait plaisir. L'infirmière, de quoi l'infirmière, Gamersense, pas compris, non pas l'infirmière, non dans de Asia, c'est la petite prêtresse, c'est la prêtre humaine. Qui a bien essayé là. La blonde, la connasse quoi. Salut Ertios, comment tu vas? Dans mon train, il y a quelqu'un avec une casquette avec une tête de cheval dessus. Pas mal. Ah, let's go. Allez, c'est parti. Putain, on a quand même vaincu le premier boss assez facilement. On est chaud. Ertios sauvage apparaît, incroyable. Comment tu vas, bro? Et comment va madame entre temps? Parce que bon, moi j'ai perdu le fil avec Attends, comment elle s'appelait déjà? Oh merde, j'ai oublié son nom. Comment elle s'appelle? Walfrid, comment elle s'appelle? Tu t'en souviens, non? Attends, c'était Mélina, voilà, Mélina, c'est pour ça. Trop de taf en ce moment. Ah, t'as pu reprendre le taf, Ertios, trop bien. Nice, je suis content pour toi, mec. Une classe intéressante à jouer, mais très peu jouée avec l'arme. J'ai pas compris ce que tu voulais dire, mon cher Aerozel. Attends, je suis pas du tout dans le bon animé, c'est ça. Ah bah je suis trop content pour toi Ertios, je suis trop content. Level combien? Là pour l'instant on a à peu près level 10 et 9. Donc ça devrait le faire pour aussi bad. Père, mère, j'ai décidé d'aller au rendez-vous du chevalier. Oh non Elise, s'il te plaît. Faut le faire une voix un peu comme ça. Casse-couille tu vois, casse ta fiant. Inutile de pleurer, femme. Ah oui, femme, putain j'avais oublié.
Je ne lui permettrai jamais de partir. Ces deux-là, un jour, elles auront ma mort sur la conscience. Coucou. Ah, voici Zorak. J'attendais votre retour avec impatience. Vite, approchez. Cherche une classe très peu jouée avec une arme, mais sympa, tu as une idée. Ouh. Sur Dragon Quest 9, je t'avoue que j'ai... Moi, je joue vraiment classico-classique sur Dragon Quest 9, pour le coup. J'avais vraiment été plus loin dans les trucs. Je suis content de vous revoir, Zorak. Alors, qu'avez-vous à me dire sur ce chevalier Carbon? Zorak raconte au roi Martus qui est arrivé au chevalier Carbon. Mais vous êtes en train de me dire qu'il avait perdu la mémoire et pris Elise pour sa fiancée? Et il vous a dit qu'il retournait à morte peine et qu'il ne nous ennuierait plus? Oh? Salut Xenka, comment tu vas? Et vous l'avez cru, ça m'a l'air d'être une belle carabistouille. On ne peut pas faire confiance à un sournois dans son genre. Ouais, Ranger, c'est vrai que c'est pas souvent utilisé, je suis d'accord. Père, pourquoi avez-vous si mauvaise opinion de lui? Que vous a-t-il fait? Tout d'abord, je n'ai jamais entendu parler de morte peine, ça prouve qu'il ment. Parce que je suis un inculte et un connard, c'est forcément des mythos. Paeta est un des meilleurs voleurs le plus éclaté alors que j'adore cette case dans les RPG. Eh ouais. Tu vois, demain au taf, ça va être le bordel car je viens apprendre qu'une station de petit-déj vient de cramer et un arrêt maladie, ce qui signifie que je suis seul en cuisine du lundi au dimanche. Oh, ça va être le fun. Ah bah tant mieux, j'espère que tu vas bien avec cette case du coup. Comprenez bien, Zorak. Je donne pas longtemps avant que cette canaille ne revienne chercher mon Elise. Si vous ne vous occupez pas sérieusement de lui, vous pouvez faire une croix sur la récompense. Pourquoi vous ne voulez pas croire son histoire, père? Imaginez que vous vous retrouviez seul et loin de chez vous. Ma petite fille, je fais tout cela pour te protéger. Essaie de me comprendre. Salut, dis-moi comment tu fais pour jouer avec une version VF sur l'émulateur? Bah j'ai installé une ROM VF. Eh, l'astuce elle est big hein. Franchement l'astuce est big hein. Elise! T'es sur quel émulateur? Je suis sur l'émulateur Deathbum. Ah ouais ça va, hormis que je sais pas si demain je fais du 8h-15h ou pas. Let's go! Les fameuses Zorak qui changent à la dernière minute. Zorak! J'ai besoin de vous parler. Je ne veux pas qu'on nous entende. Ma chambre est un peu plus loin à l'est, derrière cette porte. Pouvez-vous vous y rendre? Pouvez-vous m'y rejoindre, pardon? C'est au sujet de morte peine. D'ailleurs, c'est grave, je passe pour un débile, pour un guignol. Alors que j'ai également installé la ROM VF. Et je l'ai pas en VF. Ah oui, alors attends. Normalement, faut que tu ailles dans les paramètres de. En fait, tu vas dans les paramètres de l'émulateur. Ça se voit pas, mais normalement, si tu vas dans les paramètres d'émulateur, tu dois trouver un endroit où ils te disent en fait. Genre, attends, je vais regarder ça. Ça pose 2 secondes, c'est normal. Hein. Alors, je sais plus exactement où c'est, ça doit être en configuration. En fait, je sais que dans les. En fait, faut que tu te balades dans les menus et en gros, t'as un endroit où en gros, ils te demandent la langue générale de l'émulateur et tu mets en FR. Paramétrer l'émulateur et le mettre en français. Ouais, c'est ça. La chambre est à l'aise. Gris, c'est une aviation genre d'orac. Défouraille-la bien comme il faut. Ah ouais, carrément. Ah ouais, ça part là-dessus, les gars. Calmez-vous. Hein. On va défourailler personne. Je suis désolé de vous avoir demandé de venir ici. Mais père s'en serait mêlé s'il avait entendu. En fait, j'ai déjà entendu parler de morte peine. Ce nom revenait dans une comptine qu'une des servantes me chantait quand j'étais petite. Peut-être que cette chanson pourrait nous donner un indice sur la manière dont nous pourrions résoudre cette histoire. Cette servante est retournée dans son village natal, le Plicata. C'est un petit village situé à l'ouest du lac d'Ablitia. Ce chevalier Carbon n'est pas le monstre que mon père imagine, je le sais. Il a besoin d'aide, Zorak. Faites ce qui est en votre pouvoir. Quel est gentil! Y'a rien. La bête? Non mais STP, regarde comment elle est prête son lit, elle t'attend. Ah ouais. Calmez-vous les gars, calmez-vous. Ici on est là pour niquer personne. Non mais sans blague. Sans deck, au nez.
Vous êtes des fous. Est-ce qu'au niveau PV? Oui, on est bon, on est large. On est large. Juste sur les mules directes. Ouais, normalement c'est sur l'émulateur, ouais. J'ai envie de lancer ma DS et d'y jouer. Bah vas-y, hein. Si, Jessa et Benico. Ah frérot, mais Jessa et Benico, c'est pas la même. Sex, c'est pas la même. Allez, hop. Bon, on va speed up un coup, hein. Oh putain, je me suis fait agresser, là. Tiens, dégage, bouffon. Alors, le Plicata, c'est en haut. Bientôt la zone à farm, exactement. Non, casse-toi! Oh le bâtard! Je me fais agresser par un amphi. D'ailleurs, à Skip, c'est vrai qu'on peut faire une demande en mariage Benico si on n'a aucune relation dans le passé avec un site ou pas. Oui! Totalement, et j'ai arrêté et j'ai raté à chaque fois parce que je ne sais plus ce qu'il faut exactement dire pour ça. Ça me trouve le cul. Je t'embête, mais tu saurais me renseigner sur quel onglet car vraiment j'ai déjà cherché. Moi, ce que je peux te conseiller, regarde sur internet, hein, t'en trouveras plein des tutos comme ça. Hein. Tu regardes, mettre émule des smums, mettre en français, devrait le faire. Hein. Google is your friend. Ah, nous voici arrivés à Plicata. Let's go. Alors, normalement, faut aller voir les mégères. Ils sont où les mégères? Les mégères! Vous êtes tous les mégères! Elles sont à droite. Normalement, elles sont à droite. Vas-y, je crois que je vais me refaire une histoire avec un site juste pour ça. Et je te filerai l'astuce si j'y arrive. Oh, les tips! Les jeux de mon enfance et OMG. Très belle enfance, mon cher Enta. Ou Enat, pardon. Non, Enta. C'est bien ça. Enta! Bonjour les vieilles! Ça suffit! Attends, faut que je fasse une voix de vieille. Ça suffit, Lana! Tu recommences à radoter le bon vieux temps! J'étais un peu jalouse de toi à l'époque, Petra! Ah oui! On a de la visite! Bienvenue, bienvenue! Bienvenue, bienvenue! La dame qui travaille au château, vous parlez sûrement d'Alana, c'est elle, elle est assise juste en face de moi! Oui, c'est vrai, je m'occupais de la princesse Élise autrefois. Pourquoi me demandez-vous ça? Vous voulez écouter la comptine que je lui chantais quand elle était petite? Quand elle était petite, pardon. Salut, Evan, super, comment tu vas, mec? Ça fait longtemps. Eh bien, c'est le genre de demande qu'on ne peut pas refuser. Tu vois comment tu rentres chez les gens et tout est normal. La base, mec, la base. Tu veux bien chanter avec moi, Lana? La chanson de Chevalier Cœur, bon, je pourrais la chanter en dormant. Hihi, en avant, il a le mordant. Sur sa monture de chevalier cœur bon pour chasse un vrai démon. S'il arrive à le faire battre en retraite, il rentrera épouser sa dulcinée. La ville se prépare à la fête et se réjouit pour les mariés. Qui suis-je? Oh, mais est-ce la fatalité? Le chevalier cœur bon nul n'a pu retrouver. Oiseau Nord, morte peine est en vue. Dites-lui que le chevalier a disparu. Oiseau Nord, morte peine est en vue. Dites-lui que le chevalier a disparu. C'est cette chanson que vous vouliez entendre. J'espère que ça vous a plu. J'espère ne pas être indiscrète, mais pourquoi avez-vous fait tout ce chemin pour écouter une vieille comptine? Ah, vous cherchez morte peine, c'est ça? Dans ce cas, je m'intéresserai au passage sur l'oiseau qui vole vers le nord. Pourquoi ne pas partir vers le nord? Pour voir ce que vous pourriez trouver. Mais c'est qu'elles sont pas connes, les vieilles, hein. Par contre, c'est beau, j'ai l'impression que la tristesse est mal foutue dans l'histoire du chevalier Jedi. Genre, subit et une perte, et après tout, voilà, même si pas cela, nous propose un choix pour passer du côté obscur. J'ai lu ton message, j'ai réussi à pas comprendre le message, c'est quand même fort, hein. Je sais pas, je dois être débile. Au secours! Ah non, c'est au secours! Allez! Faites-moi comme ça! Allez! Allez! Pourquoi me fuyez-vous? Je veux juste vous parler. Je ne vous veux aucun mal. T'achètes jamais de nouveau stuff, y'en a pas ici. Allez pas me faire croire ça! J'ai vu la sorcière qui vous cherchait dans le bois! Une vraie furie, avec des yeux rouges qui lançaient des éclairs! Elle m'a demandé si j'avais vu son esclave, le chevalier Carbon!
Mais Avix, c'est vous, vous êtes son esclave, non? Ai-je l'air d'être esclave d'une sorcière, selon vous. Selon vous, je n'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule. Salut, c'est Annalise d'Antoine, comment tu vas? Vous vous appelez Zorak, c'est ça? Que faites-vous par ici? Vous essayez d'en savoir plus sur Mortepen? Vous devriez pas vous donner tant de mal pour moi. Et vous avez appris quelque chose? Le chevalier Cœurbon? Oui, c'est ainsi qu'on m'appelait à Mortepen. Comment l'avez-vous appris? Comment ça, il y a une chanson sur moi? C'est vraiment bizarre. Je ne suis quand même pas seulement le produit de l'imagination d'un conteur, pardon. L'oiseau nord, Mortepen est en vue. C'est la seule indication qu'il y a dans cette chanson. Je suppose qu'il ne me reste plus qu'à faire comme l'oiseau, cap au nord. Je parlais de la vieille dame. Ah, de la vieille dame, oui, ok. Faites cette voix pour lire nos commentaires. Let's go. Et trop vieux crève. On est bien d'accord. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire, oui. Comment tu vas, Anaïs Antoine, du coup? Après la mort de votre Auguste, sans strictement rien. Avec votre choix. Bah c'est plus en fait le passage côté obscur ou non, etc. C'est plus orchestré derrière quand tu décides en fait de oui ou non retourner vers la République ou de te tourner vers l'Empire. C'est plus dans ce truc là. Tu peux récupérer les cartes au trésor? Pas du tout, c'est pas maintenant. Les cartes au trésor, c'est après le boss 6 ou 7. Donc il y a encore le temps. Allez, c'est parti. Je perds ma vie. C'est oui, tout à fait. Pour moi, c'est le seul endroit où tu peux techniquement, entre guillemets, un peu passer de l'autre côté, quoi. Parce que techniquement, on te demande est-ce que tu veux retourner dans ton camp ou changer de camp, tu vois. Pour moi, c'est un peu là que l'acte de rébellion ou non s'opère. Oh, il y a des éclairs partout. Oh, la musique. Non, ça ne peut pas être Mortepen. Je ne comprends pas. Ai-je donc été absent si longtemps pour que le château soit dans cet état? Et où est ma bien-aimée Lise? Princesse Lise! Lise! Enfin, je parlais des cartes qu'il distribuait au Japon, etc. Ah, ça! Non, pas du tout, moi j'en ai pas. Allez hop! On va aller récupérer un peu tout ce qu'il y a récupéré, comme d'habitude, hein. Tout là en Nuzlocke, il va falloir bien récupérer les objets. Des fois, des petits objets un peu cracos qui peuvent traîner. Ok, un curatif, on s'en branle. Ça branle la nouille. Ah! Éviter d'aller dans le poison, ça peut être bien. Ça peut être une bonne idée. L'idée des plus constructives, je pense, pour éviter la mort. Ce qui est sympa, hein, parce que la mort, c'est jamais trop ouf. Hein. Ah, hop. La combinaison du lapin. C'est ça, exactement. La combinaison lapine. Je tends ce château sur toi, seconde partie. Ah ouais, mais ce château est stylé. Hein. Alors. Oh. Bah, je suis le seul à pouvoir heal pour l'instant, donc évidemment, je vais me mettre le foulard. La mort, c'est surfait, je trouve. Franchement, la mort, c'est saut. Putain, comment on dit? Saut boring, quoi. Saut boring. Oh, couteau de cuisine. Je crois que c'est de la merde, ça, non? Après, ça fait quand même une arme, mais ouais, c'est l'arme de barre, ok. Salut, ah oui, c'est Dragon Quest 9, celui-là. Oh, putain, gueule de cul. Il y a un peu de monde là. Hein. Oh bah oui, critique de flamme évidemment, sans c'est pas drôle. Connard. Voilà, chais, ça dégage. Ok, pas de deux. Oula. J'aurais adoré que t'ailles jusqu'à Epidémon. En vrai, franchement, au vu du temps qu'on est en train de prendre actuellement, je pense qu'on ira jusqu'à Epidémon du coup, les gars. Parce qu'en vrai, c'est vrai qu'on prend pas énormément de temps pour faire les trucs là. Donc, je pense qu'on ira jusqu'à Epidémon, chat. Pour vous faire plaisir comme ça.
Ah, je fais plaisir, c'est gratuit, c'est comme ça, c'est cadeau. Ouais, tu m'envoies ça, ouais, XNK, tu m'envoies ça ou tu me fais un copier-coller de ton texte, j'en sais rien, mais tu m'envoies ça, je te le lirai, t'inquiète. Alors, on va aller chercher, je crois qu'il y a rien, mais on va quand même aller voir. Allez, hop. Alors, je crois qu'il y a rien, si je ne m'abuse. Oh, si, putain, je suis une merde, il y a deux coffres. Paire de socs. Oh, mais une médaille, la première! Incroyable! C'est fou, ça. La première mini-médaille. La première et pas la dernière. Allez, hop. Chez! Allez, hop. Merci Aerozel pour le subs avec son plaisir à toi. Merci beaucoup. Incroyable. Le subs. Oh là là, un nouveau sub. Loki s'occupera bien de toi. Tu es officiellement devenu variant de cette chaîne. Level 11. Oh la moula là. Fais de la moula en live. Let's go. Quel plaisir. Ce soir, je mange frites fait maison avec des knacks. Des knacks au fromage. Genre des knackis. Genre tu manges des knackis avec des frites. Je pense que c'est des knacks. C'est quoi des knacks? Nope, les saucisses au fromage. Oui, bah voilà, c'est... Ouais, des knackis, quoi. Knackis au fromage. Ouais. Putain. Ah, chez vous, on dit knack. Ouais, on a enlevé le i. Genre, le i, ça faisait pas assez. Ça donnait pas enfin, en fait. Genre, ils ont fait i. Non, le i, c'est pas ouf. Oh putain, c'est de la merde ici, y'a rien. Coffre. Résul de. Connard. Dégage, sale chien. Voilà, et hop, ça dégage. Oh oui, McAfee qui gagne un level. I, c'est moche, exactement. Alors, évidemment, on regarde si on peut pas débloquer des trucs. Rien. Bâtard. Bon, ça pour l'instant, hein, évidemment, je ferai gaffe quand on aura plus beaucoup de PV. Là, pour l'instant, c'est vraiment du... Je suis au meilleur jeu DS du monde. Là, tu... Là, je... Quoi? Attends, quoi? Attends. Tu joues au meilleur jeu DS du monde. Là, je rêve pas. Ah! Merci Auron, c'est avec son plaisir à toi, merci pour le follow, on espère te voir sur tous les fans live de la chaîne, avec son plaisir, merci à toi. Je suis mon enfance, trop cool, merci. Bah écoute, et testamb, tant mieux. Et en tout cas, tu as eu des très bons jeux quand tu étais jeune. Porte est fermée à clé, fuck. C'est Dragon Quest 9, oui exactement, Mo. Quel est BG, c'est bon, j'ai réussi. Petite derrière, on peut jouer à la manette dessus. Oui. Tu vas dans les paramètres de touche, tout simplement. Tu penses que mettre les items random dans les coffres, c'est possible sur ce jeu? Je pense, oui. Je pense qu'il doit y avoir un peu comme dans Pokémon, vous savez, dans un peu dans tous les trucs. Tu dois avoir des logiciels de random sur Dragon Quest 9. Je crois qu'il y en a, parce que je crois que j'avais déjà dû voir. Ce serait possible, peut-être un jour. Peut-être qu'un jour, on pourrait mettre carrément un random, peut-être sur les boss aussi. Genre en mode, les boss sont adaptés, mais genre, ils ont les techniques, tu vois, ça pourrait être sympa. Ou alors peut-être un random sur les loots. Genre, je sais pas, t'affrontes des gluants et tu lootes des armures roncières ou genre l'armure de fin de game et tout, ça pourrait être sympa. Il y aurait des trucs à faire, je pense. Je crois que je viens de là, non? Ouais, je viens de là, tout à fait. Pour moi, le meilleur jeu DS sont les Pokémon, Dragon, Pokémon noir et blanc ainsi que le 2. Ah! Avec une R4, possible, ouais. Possible, possible. Ok, donc là, on s'en fout. On part de l'autre côté. Imagine, premier coffre rouge, tu as pure l'âme du faucon. Le cheat. C'est officiel, le cheat. C'est quoi le meilleur Dragon Quest? Pour moi, c'est le 9. Et après, moi, je suis biaisé, c'est parce que c'est mon préféré, quoi. C'est le seul que j'ai terminé. C'est le premier auquel j'ai joué. Je suis sur l'émulateur Desmume, les gars. D-E-S-M-U-M-E. Desmume. Le casseau, il donne un mini buff de stats. Bah ben oui, bien sûr. Je te crois, mec, t'inquiète. Le petit bâtard. Allez, c'est parti pour le 2e boss du jeu. Je pense qu'on devrait la soulever assez facilement. On est level 11, 10, 10, 10. Après, quand on regarde, Zorak a pas beaucoup de PM. Donc au niveau de... des sorts de heal, il pourra pas en faire énormément non plus. On peut peut-être perdre quelqu'un, c'est possible. Chaque épisode, Zorak, GM, Bifoco, mais ça se finit mal. Let's go.
Il y a un truc à activer pour activer la manette. Non, juste tu la connectes et quand tu demandes, quand en fait il te demande de te sélectionner les touches, t'appuies avec ta manette. Tu es revenu, mon amour. Je t'ai cherché partout. Tu te cachais quand même. Tu ne te cachais quand même pas, vilain garçon. Merci Zephyr pour le follow Twitch. En espérant te voir sous l'uniforme F2 HN, l'excellent plaisir. Merci à toi. Je sais pas si tu as répondu ou j'ai pas entendu. C'est quoi le jeu Dragon Quest 9 et les sentinelles du firmament? Après chaque boss, tu lances une roue du destin? Non, après chaque boss, je lance une question et la personne qui répond bien aura le droit à son personnage. Sylvan, ça y est, je comprends, je me souviens de tout maintenant. Si je suis parti de Mortepen, c'était pour te détruire. Mais c'est moi qui t'ai vaincu et tu as goûté à mon baiser. Je t'ai eu tout à moi pendant un siècle ou deux, dans un royaume des ténèbres créé rien que pour toi. Tu es à moi, ne l'oublie pas. Tu es mon chevalier Carbon, dans son armure resplendissante. Assez ! Tout est de ta faute ! Que lui as-tu fait ? Où est Lise ? Il a pris chien. Oh, ma Xbox, ça marche pas. Ah, triste vie. Ce jeu qu'elle m'a sorti, évidemment. Comment ne pas follow un streamer FR qui joue à DQ9. Merci les filles. Ça fait plaisir. Ouais, ta team avance bien ou toujours pas? Comment ça ma team? Ma team de quoi? Ah non non, c'est toujours de la merde hein. Espèce d'idiot. Le tremblement de terre a brisé mon envoûtement. Mais rien n'arrête l'amour véritable. Je vais à nouveau lancer mon sort. Et nous retournons dans notre royaume des ténèbres. Seuls, tous les deux. Jamais je te laisserai. Comment tu fais pour jouer à ce jeu? Émulateur sur PC tout simplement. Et qui es-tu? Tu ne crois quand même pas que tu vas me voler mon amour, le chevalier Kerbon? Ah, ou alors tu rêves? Ne sens-tu pas le sort maléfique que je lui ai lancé, mon joli? Ne sens-tu pas cette puissance? Mais ne t'inquiète pas, mon joli, tu t'en apercevras assez tôt. Quoi? Mes sorts sont les plus cruels et les plus puissants qui soient. Ils auraient dû marcher. Qui es-tu en fait? Si tu étais humain, mon sort aurait fait mouche. Mais tu n'es pas... avec eux? Oh non, ce n'est pas vrai! Pourquoi tu nous laisses pas en paix, hein? Maintenant, je vais être obligé d'abîmer ton charmant petit visage. Ah! J'espère que tu vas la bouillir avec la Sylvane. Je vais la bouillir, je la ken! Ah ouais, un DQ9 remaster, donc il ferait de ouf, je suis d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a rien de spécial. Alors, on va pas faire des glaces, hein. Le but c'est pas de se niquer. Dac toxique et... j'ai un premier secours, ok, donc le... ok, donc je peux heal avec le... avec lui. Ah, c'est cool, ça. Lame du dragon, ça sert à rien, pas de sort. Croche pot, ça sert à rien, pas de sort. Ouais, mais non, mais je ken pas la princesse, parce que la princesse, elle est à la limite du legit. Elle est legit de fou, frérot. Oh, elle a essayé de draguer une fameuse. Oh, l'inclusivité, incroyable. Allez, 31. Oh, belle touche. Attaque, d'accord. Je sais pas, est-ce que le chat peut me dire, est-ce qu'on peut toxique un boss? Je sais plus si c'est possible. Si, j'ai tout pour booster mes collègues, mais c'est pas vraiment le gameplay que je fais. Elle te fait des poutous, Sylvan. J'avoue, comment ne pas aimer Sylvan? Elle te fait des gros poutous. Avec l'attaque, tu peux toxi, ok, seulement. Ah, d'accord, ok, merci. Ok, ça va. Bon, pour l'instant, c'est easy peasy. Pala DQ9 incroyable. Ah ouais, faudrait que je joue Pala. Peut-être si un des viewers décide d'avoir une classe Pala. D'ailleurs, faudra me dire, Seven, si tu veux que le voleur, dès que je peux, je le transforme en Ranger. Si la classe, elle peut changer, n'hésitez pas à me le dire. Genre par exemple, si un mage voulait un archimage ou l'autre truc. Dès pour la prochaine question, pour créer un perso, question sur le JDR d'hier. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a des gens, ils sont sur TikTok, ils ont pas vu le JDR d'hier, les gars. Oh,
le critique 77. Ouh, let's go. Ouh, elle m'en a paralysé, hein. Je suis en train de fouetter Sylvan, là. Let's go! Ça y a des années, j'ai pas joué, ça rappelle des souvenirs. Ah, tant mieux, Gaspard. Tant mieux, des beaux souvenirs, j'espère, quand même. Allez, 3 points. Paire de talons, oh, let's go. Je crochais sur elle avant. T'as raison, mec. Non, mon chevalier Carbon, notre vie ensemble, tout est fini. Mais bon amour, tu dois savoir qu'il est impossible de revenir en arrière. T'as bien aimé, ta Lise bien aimée n'est plus. Tu es condamné à errer seul sur cette terre. Salut, 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 Auron. J'ai racheté le jeu l'année dernière par nostalgie, tu m'étonnes. À genoux, femme. Princesse Lise, non, c'est impossible. Je compatis, bro. Grâce à vous, j'ai pu rentrer à Port-Pen. Pourtant, le temps a détruit mon pays et ma chère Lise n'est plus là pour m'accueillir. Ça va, bah tranquille, toi. Je suis rentré enfin. Mais je suis rentré trop tard. Il n'est pas trop tard. Ce collier. Oh, ça va être la scène. Oh. Oh. Princesse Lise, je ne... Vous n'êtes pas... Je vous ai fait une promesse. J'avais juré de vous attendre quel que soit le temps que cela prendra. Prendrait, pardon. Mon tendre chevalier Carbon, prenez ma main et dansons. La première danse que nous aurions eue comme mariée femme. Oh. Salut XNK, bonne journée. Petite question, tu joues sur quoi? Émulateur et PC. Princesse Lise, me pardonnez-vous. Oh, c'est parti. Allez, on kiffe la scène, les gars, c'est le moment. Merci, princesse. Je sais maintenant que vous n'êtes pas ma Lise, mais... Sans vous, j'aurais été condamné à errer à tout jamais. Je savais que vous étiez le chevalier Carbon dont parlaient les légendes. J'en étais sûr. Dès que je vous ai vu, j'ai su qu'il existait un lien entre nous. Et cela n'est guère étonnant si l'on considère que vous avez hérité des souvenirs de ma bien-aimée Lise. Ainsi, la princesse Lise est ma... Merci Zorak. Sans vous, je n'aurais jamais appris la vérité. Je n'ai plus aucun regret. Seulement de la reconnaissance. Incroyable ce perso. Voilà, c'est fait, c'est dit. Je l'adore. Je savais que j'aurais dû vous laisser faire, mais je n'ai pas pu m'empêcher de vous suivre. C'est étrange. Lorsque je dansais avec lui, j'ai entendu une voix féminine qui disait « Merci. Enfin, je dois vite rentrer au château pour annoncer la nouvelle. Je veillerai à ce que votre récompense soit prête, Zorak. Passez au château dès que possible. » L'alarme pour chevet et cœur bon, hein. Évidemment. Requiescat in pace, brother. Oh là là, rest in peace. Ok, c'est pas par là. Alors est-ce qu'on peut passer? Je crois pas qu'on peut sortir par là. Hein. Exactement. On va faire le tour. Attendez, je peux peut-être faire un evac. Ah, je peux faire un evac, let's go. Allez, c'est parti, on va rentrer.
pour aller après donner la récompense. On va faire un petit speed up parce que bon, hein, on n'est pas là pour tortiller du cul. Voilà, hop là, wouh. Ah merde. Si je me fais agresser sur la route. Et c'est là qu'il y a un critique qui tombe, que je perds un personnage. Vraiment comme de la merde. C'est possible, hein, on sait jamais. Hein. Parce que ta première mort sera à l'abbaye d'évocation. Ah, il y a peut-être moyen en vrai, franchement. Meilleur Dragon Quest. On est d'accord, il n'y a pas wesh. Quel pseudo incroyable. Hop. Level 11, let's go. Peste ici, j'imagine des dégâts bonus sur les bêtes. Ça me paraît ça me paraît un peu dit dans le titre, quoi. Allez. T'as même la musique en accéléré, elle est bien, hein. Ah, merde. Ça aurait dû le faire sur la Switch. Eh, peut-être un jour, peut-être un jour. J'ai pensé ce jeu à l'époque, c'est quel Dragon Quest déjà? Le 9, Sentinelle du Firmament. Je commençais avec celui-là et depuis... Je n'en retrouve pas des aussi bien. Ah bah c'est le meilleur, pour moi c'est le meilleur. Après c'est chacun son goût, ses goûts et ses avis, hein, évidemment. Alors on va juste aller se heal. Allez, on reste la nuit. Hop voilà, allez hop, on va aller rendre la quête. Voilà. Oh c'est vous Zora, je suis heureux de vous revoir mon ami. Elise va tout raconter. On dirait bien que le chevalier Carbon n'avait pas eu une vie facile. Je me sens un peu coupable avec le recul. Enfin, tout est bien qui est fini bien. Vous avez accompli un travail exemplaire. Je suis impressionné, mon ami. Oui, vous avez bien mérité la récompense que je vous ai promise. Je vais donner l'ordre qu'on ouvre la salle du trésor. Servez-vous. Vous pouvez tout prendre si vous voulez. Vous pouvez nous rendre pauvres, on sera plus les rois. Empruntez l'escalier derrière le trône et sortez dehors. La salle du trésor se trouve à l'est. Tour de bidouille, j'ai failli oublier. J'ai fait rouvrir le point de passage à l'est et il était fermé suite à toute cette histoire avec le chevalier. Au-delà de ce pont de passage se trouvait une grande ville. Cela pourrait vous intéresser. Eh bien. Je vous souhaite un bon voyage. Vos pas vous ramèneront peut-être à Ablity un jour. Vous serez toujours le bienvenu, Zorak. Merci, roi Martus. Ouais, je suis d'accord avec toi, Datsetsu. Denuzetsu. Alors, Evan, comme j'ai expliqué, les persos, c'est pas moi qui choisis qui fait son perso. C'est en fonction du chat, des questions du chat et qui répond. Donc malheureusement non, je ne pourrais pas te donner le perso. Ça marche pas comme ça. Sinon c'est pas juste pour les autres. Allez, le dernier coffre. Un petit chapelet. Let's go. Ah. Allez hop, on va s'équiper tout ça. Yo Silas, comment tu vas bro? On va se mettre ça. On va mettre de la def sur ceux qui n'ont pas de bouclier, justement. Est-ce qu'il y a une fille? Oui, on a une fille, donc on va pouvoir lui mettre les talons hauts. Et on va mettre à la guerrière les gants de fer, je pense. Ah, voilà. En plus, il y a déjà quelqu'un en réserve. C'est ça. Oui, mais vu qu'on a battu un boss, on va avoir un nouveau perso, les gars. C'est la règle. C'est la règle, c'est la règle. Donc, comment tu vas, Silas, du coup, depuis le temps? Très bien, et toi? Bah tranquille, tranquille. Allez, let's go. Ah. Ah oui, c'est vrai. Bravo, Zorak. Pour le tout le monde, tu es un héros maintenant. Tu as vu, regarde. De la bienveillance, comme s'il en pleuvait, pardon. Ouais, moi je vois rien. Oh, désolé, et j'oubliais que tu pouvais pas l'avoir. Non, d'une météorite, je suis vraiment trop bête. Je suis sûr que le Tout-Puissant remarquera ce qu'on a fait. On sera de retour à l'observatoire dans pas longtemps. On fera mieux de retourner à l'Orient Express en vitesse. Tu es prêt, Zorak? Oui. Prochain arrêt, l'Orient Express. C'est dans une quête que j'ai aimé, une pépite. Ah, t'as pas aimé les autres? Ah, pourtant, les autres, quand même bien. Mais hein. Pas Zorak, la blonde aux cheveux verts. C'est le meilleur perso du jeu. Il t'arrasse. Nique ta grosse race.
Tiens donc, Zorak, bonjour. Tout le monde parle de la manière dont Zorak, le troubadour itinérant, a sauvé Ablitia, si vous les entendiez. Tu es devenu une vraie célébrité. On vient souvent me voir parce que je suis une amie avec toi. Ah oui, avant que je l'oublie, j'ai trouvé ça en faisant le ménage à la cave. C'est une marmite conçue pour l'alchimie. Un alchimiste fauché a dû s'en séparer pour payer sa note il y a longtemps. Je ne sais pas trop à quoi elle sert, mais c'est un bel objet. Je me suis dit qu'il fallait la mettre ici pour égayer un peu la pièce. Ah oui, cela fait très bien ici. Elle est magnifique. Oui, j'aime beaucoup cette antiquité. J'ai une certaine ambiance, je trouve. J'ai essayé d'autres, mais c'était beaucoup plus léger. Ouais, je suis d'accord. Comment ? L'armure ? Bien sûr que non ! Quelle idée idiote, pas du tout ! Oh, tu peux entendre ma douce voix ! Tu en as de la chance ! Je suis le maître des métamorphoses, le roi des mutations, l'empereur absolu de la chimie, Alambic ! L'alchimie est l'art antique consistant à croiser des objets afin d'obtenir un résultat supérieur à la somme des objets de départ. Je propose ce service magnifique pour rien ! Non, tu me remercieras après. Mais au fait, tu me fais appel à moi ? Oui, c'est vrai, parfait. Note que je ne m'en doutais pas. Ça se voit que tu as envie de pratiquer l'alchimie. Il est donc temps qu'on commence à bichoter quelque chose. Avant tout, je dois te donner ça. Bon, il me donne des recettes. Avance. Ah, merci pour les roses, Sia, ça fait plaisir. L'alchimanac est un livre indispensable qui permet aux alchimistes de noter leurs recettes géniales et de les refaire. Tu n'as que quelques recettes pour l'instant, mais lis tous les bouquins que tu trouves et ça changera bien vite. Il est là, le mystère de l'alchimie, le secret des sciences occultes. Enfin, ne nous emportons pas, non. Même le plus grand alchimiste a été débutant un jour. Première mission, tu dois choisir le procédé alchimique. Si je peux me permettre, je te conseille de préparer une recette. Bah écoute, tu vas attendre mon cake, parce qu'il y a une mission qu'il faut récupérer qui peut aider au début. Enfin, refaire le château, etc. pour les recettes. Eh ouais. Alors, elle, on pense à quête. Elle va juste me demander de crafter un objet, du coup. Oui, le panacé, je connais. Ta gueule! Allez, let's go. Préparer une recette. Objet. Alors, le panacé, ça fait comment déjà? Un remède spécial, un remède supérieur. Ok, donc on va en faire 3, je crois. Voilà. C'est quoi ton record de legs dans un rêve tuto? Je sais pas, je regarde pas ça. Donc j'en ai foutrement aucune idée. Alors je crois qu'il faut un remède spécial pour le su... Ah non, ok, c'est bon. Let's go. Et là, normalement, c'est bon. Panacé, voilà. Hop, on est bon. Merci beaucoup, mon garçon. J'espère te revoir. À bientôt. Oh. Eh bien, au revoir. Bonjour, madame. Tenez, je vous donne ça. Vous êtes contente? Merci, elle m'apprend des recettes. Trop bien. Et voilà. La gueule. Voilà. Oh, tu connais les Getsugoya? Non, pas du tout, je connais que dalle. Hein. Alors, on va pas refaire le nouveau perso du coup? Parce qu'il faut créer encore un perso. Parce qu'on a battu un boss. Recruter un ami. Alors, quelle question je vais poser? Quelle question m'a posé? Allez, on va voir si le chat a suivi. Quel est le nom du pays d'origine du chevalier Carbon? Voilà, c'est gratuit, c'est à voter. Quel est le nom du pays d'origine du chevalier Carbon? Si vous avez suivi la session. Eh bah, Irozel, tu auras ton personnage. C'était pas loin, Terof, c'était pas loin. Il a juste répondu un peu plus vite, malheureusement. Allez, mon cher Irozel, quelle est la classe que tu veux m'allouer pour ce personnage?
Mage, ok. Il a dit avant la fin de la question. Ah non non, je l'ai répété deux fois la question. Homme ou femme? Homme, ok. Comme d'habitude, 1 à 5. Ah, ok. Pareil, tu connais la règle. Toi l'habitude. Chauve, ok. Oh, le mâche chauve, ça va être incroyable ça. Ma couleur des cheveux, on s'en branle du coup, on va mettre gris. T'es en train de jeter DS et il est pas troisième, on est d'accord Albert. Du coup, le visage. Qu'est-ce que tu me vends là? Première, évidemment, première ligne, deuxième ligne, et ensuite tu dis 1 à 5. Ça y est, Quentin, let's go des kiffs, évidemment, let's go! Dragon Quest 9. Première ligne, lit 4. Ok. Couleur de peau, pareil. De 5. Alors le problème c'est qu'il n'y a pas de 5. c'est 1 à 4 max. Donc 2, 5. Alors je veux bien, mais après je vois pas. Parce que moi je vois que 1, 2, 3, 4. Hein. Je pense qu'à Rosette tu auras des problèmes pour compter. Les couleurs des yeux. Ça va jusqu'à 4 au cas où. Hein. De toute façon là c'est les couleurs. Donc là. J'ai réussi à faire 100% du jeu, c'est le Skyrim de la DS. Un peu, ouais. 1-3, donc rouge. Et le nom? Quel est le nom? Est-ce que je prends ton pseudo? Je t'appelle Aerozel aussi? Aeroz, ok. C'est comme Skyrose, mais c'est pas la même, quoi. Aeroz. Il est où le Z? Il est là. Ok, Aeroz le mage est créé. Il rejoindra peut-être un jour notre armée. Évidemment, plus vous êtes dans les personnages du début, plus vous avez de chances de passer dans l'aventure, parce que certains personnages seront peut-être jamais utilisés. Hein. On ne sait jamais. Ce sera peut-être le gros Delbor. Allez, c'est parti, on va retourner à l'Orient Express. Du coup, c'est Stella qui nous a demandé, hein, évidemment. Parce que la casse-couille casse toujours les couilles, c'est le principe. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de récupérer un truc là-bas. Quel con. La fameuse armure en écaille. Genre, c'est un peu une des armures que tu récupères au début, normalement. Quel sgeg. Alors hop, c'est par là. Voilà. Oh, des grelots, des évêques aux cloches. Futur sage en fin de partie, s'il survit jusqu'à la fin. Si déjà il est utilisé aussi, hein. Ça aide, hein. S'il est pas utilisé, ça va être compliqué, hein. Mais s'il est utilisé, il y a moyen. Ça va être intéressant parce qu'il y a aussi plein de quêtes de classes que je pourrais faire en fonction des classes qu'on aura pris. Ça pourrait être sympa. Allez, un petit speed up, let's go. Putain, c'est par où déjà? Je me pop tout le temps. Putain, c'est par là, oui. Allez, Orient Express, let's go, on y va. Oh, la musique. C'est un banger quand même. Et ce jeu, salut Indo. Attends un peu. Léon Express est exactement le même. J'étais sûr qu'on lui aurait redonné un peu d'énergie à ce stade. Si le Tout-Puissant avait remarqué tout ce qu'on avait fait et avait décidé de nous aider, Léon Express serait tout brillant. Je n'ai quand même pas fait n'importe quoi sur ce coup-là. Bien sûr que non. Qu'est-ce que je raconte? Eh bien, je suis sûr qu'il démarrera dès qu'on montera dedans. C'est pour comment ça me rend nostalgique ce jeu. Bah, c'est un jeu d'incroyable, c'est un jeu incroyable pour ça. Non du météorite, je n'en reviens pas, ça ne change absolument rien. Avec tout le mal qu'on s'est donné, le Tout-Puissant a décidé de faire la sourde oreille ou quoi? Ah!
s'est passé? Ça a bougé quand tu es arrivé. Quand tu es arrivé? Mais oui, c'est ça, Zorak. La bienveillance que tu as recueillie a aidé le en aidant le chevalier, t'a redonné une partie de tes pouvoirs célestéliens. On dirait que ma première réaction n'était pas idiote. Le Honte Express ne volera que s'il y a un célestélien à bord. Il faut d'abord que tu aides des gens pour retrouver tes pouvoirs. Retrouve tes pouvoirs et nous pourrons refaire voler le Honte Express comme avant. On va mettre le cap sur cette ville avec le point de après le point de passage. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont besoin de notre aide. Youpi, tout n'est pas perdu. Tout ça qu'est, notre mission va consister à aider les mortels. À base, je voulais faire un prêtre futur paladin, mais du coup, il y a le N-word asien. Le N-word asien existe déjà, malheureusement. Après, rien n'empêche de faire plusieurs fois la même classe, hein. Allez, let's go, on va de l'autre côté. Ah putain, merde. J'ai glissé, chef. J'ai foncé sur le mob. Oh, level 12, let's go. On lira pas le spell que je vais débloquer quand j'aurai 22 points. Flagellicide. Merde. Remember la gargouille et le prêtre blasphème, les meilleurs boss. Prêtre blasphème, c'est vrai qu'il est très drôle. J'essaie d'équilibrer ta team si mon perso est utilisé un jour. T'inquiète. On sait jamais, on sait jamais. T'as changé la case de ton perso? Peut-être, ouais. Je pense que je garderai pas Troubadour pour le coup. Ça dépend, on verra. Allez hop, c'est par là. Pas de classe danseur ou un truc comme ça. Non, la classe danseur, l'équivalent c'est troubadour, donc c'est la classe de départ. Je crois pas qu'il y ait de danseur ou de conneries dans le genre. Allez, let's go Basili, la prochaine ville. C'est parti. Oh non, pas ces mobs là. Hein. Non, c'est bon, ok, ils sont pas réussi à me courser autant que je voulais. Autant qu'il voulait, j'imagine. Allez, on se casse, on se casse. Let's go. Oh, la musique, c'est vrai. Bah si, c'est la musique des déprimes. Hein. C'est déprime Hollande. Hein. C'est un scandale. Allez, on va aller hop, acheter des petits trucs à l'armurier. Pas énormément, parce que ça sert à rien. On est déjà un peu overpower par rapport au boss. Alors bon, ce full overpower, ce serait complètement con. Ça serait pas intéressant, quoi. Je regarde au niveau des trucs, combien ça augmenterait de 1. Pas intéressant. Merci pour le follow, Kiatou. En espérant te voir si tu voulais faire de la chaîne d'exemple, c'est massé à toi. Tu vas farm des glands de métal pour l'XP après ou pas? Je suis pas sûr, je sais pas en vrai. Faut en voir. Turban plus 4, plus 4. Côte de maille plus 2, plus 5. Ouh, ça commence à monter là. Ou plus 8. Ouais. Ouais. Je regarde un peu ce qu'on a. Ça coûte cher, hein. Ça coûte cher tout ce bordel. Vocation d'artiste, tu veux. Ils sont dans le jeu. Ah ouais? Il y a artiste? Ah bah my bad. J'étais pas au courant. On va s'acheter ça en. Non, ça. Quoique, si. On va en acheter. Non, on va en acheter 3, ouais. Ça, on augmente bien la def. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter d'autre? Peut-être une tenue du coup pour McAfee qui lui a rien. Presque, il peut porter un truc. La tenue de voyant, je peux mettre une tenue de voyant sur un. Oh, le t-shirt blanc là. Let's go. On pourrait acheter 2 turbans en vrai. Voilà, et un truc pour 500. Y'a pas une merde pour 500 qui traîne là? Gantelet de fer pour 400, allez. Sur 7. Ça me rappelle les souvenirs, mais j'ai jamais réussi à finir le jeu. Ah! Je me suis arrêté au boss dans l'arbre géant, si je me souviens bien. Le boss dans l'arbre géant? Il ressemble à quoi le boss exactement?
Artiste martial à main nue, ça se vaut. Je sais pas du tout. Jamais joué à main nue, artiste martial. Ce sera à faire en vrai. Hein. Il y a un délire. Je crois que c'est un cheval. Un cheval dans un arbre? Ah non, le boss final, c'est pas un cheval. Attendez, un boss cheval dans un arbre. Le seul cheval que je connais, c'est l'Equinox, qui est le premier boss et certains boss des cartes au trésor. Mais à part ça, un cheval, ça me dit rien, tu vois. C'est étonnant. Je vois pas. D'ailleurs, je connais la ville avec les objets à la boutique, je connais trop bien le jeu. Salut Erwan LBG, comment tu vas? Première phase finale du boss. Non, le premier boss, il ressemble pas du tout à un cheval. Pas du tout. Putain, l'Equinox a tellement de flow. Ouais, il a de flow, mais il est chiant au début. Tu rentres déjà, mon âme? Oh! Pardon, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre, je me sens bête. Ah d'accord, ça sert à rien. Allez, on va aller voir le maire. Monsieur le maire, vous êtes où? Par contre, oui, c'est pas un cheval. Ouais. Il est où, monsieur le maire? Monsieur le maire, vous êtes où? Putain, oh, des livres. Le seul cheval que je connais, c'est Findus. Je pense qu'il parle du chevalier. Non, parce que le chevalier, c'est... Tu l'affrontes pas dans un arbre. En fait, faut prendre toutes les trucs, les gars. Ok, encore des recettes. Et là... Encore des recettes. Dans l'assiette, bon appétit, exactement. Ça voulait donc dire ça? Oh, je rends les armes, je comprends vraiment rien. Je vais devoir lui demander un coup de main. Je n'ai pas le choix. Je dois faire quelque chose avant que d'autres personnes ne souffrent inutilement. Oh, excusez-moi, je n'avais pas vu que j'avais un invité. Je suis le maire Germain. Que puis-je faire pour vous? Vous inquiétez de ce qui se passe à Bassilly? Entendu, je vais vous dire ce que je sais. Je suis sûr que vous savez qu'une maladie contagieuse s'est déclarée à Bassilly. Pour être précis, cette maladie avait déjà frappé notre ville il y a un siècle. J'avais commencé à chercher une solution dans les grimoires, mais je n'y comprenais strictement rien. Je n'allais pas me laisser abattre. Je les ai donnés à Flegming, en espérant qu'il y comprenne quelque chose. Je suppose qu'il ne faudra pas longtemps pour découvrir quelque chose, mais je n'ai pas envie d'aller lui demander. Mais oui! Vous vous inquiétez de ce qui se passe à Bassilly? Dans ce cas, ça ne vous dérangerait pas d'aller voir Flegming pour voir où il en est exactement? Sa maison est à l'ouest de notre manoir. Ça m'ennuie de vous embêter avec ça, mais j'aimerais que vous alliez lui rendre visite. Oh. Eh ben, on va lui rendre visite. Le meilleur jeu OMG. Salut Avelito! Comme l'alchimie, je connais beaucoup trop de recettes, plus besoin des livres. Ah, c'est vrai que l'alchimie, si tu connais les recettes, les livres sont pas nécessaires. La meuf, tu viens à faire chier alors qu'elle dort. Hein. Oups, désolé, je vais t'assoupir. Cela m'arrive très souvent ces derniers temps. Oh, vous cherchez peut-être Flegmi? Oups, je voulais dire mon mari, le docteur Flegmi. Ah là là, mon mari, ça fait tout drôle de l'appeler comme ça. Oh la gaga, on adore les meufs comme ça. Mais je dois vous ennuyer avec mon bavardage. Flegmi est en train de travailler dans son laboratoire en ce moment. Ah oui, pop, le maire vous a prié d'aller le voir? Eh bien, dans ce cas, je vous accompagne au laboratoire. Flegmi est un peu timide lorsqu'il ne connaît pas les gens. Au fait, j'en oublie les bonnes manières. Je me suis même pas présenté. Je m'appelle Agrippa, la femme de Flegmi. Si vous voulez bien me suivre... Eh ben, je te suis. Let's go. Si vous voulez bien me suivre, je suis déjà parti. Let's go. On pète les pots sur le chemin, y'a rien. Ça... Je t'en reviens pas que papa ait demandé à un étranger d'aller voir Flegmi. Il a donc tant de mal à lui parler. Oh, nous y sommes déjà. Je vais lui demander d'ouvrir. Flegmi le pointeur. Est-ce que les classes que t'as mis pour ton compagnon? Alors c'est pas moi qui les ai mis, c'est la commu. On a troubadour, voleur, guerrier et artiste martial. Bah c'est pas du tout un cheval. Oh mais t'inquiète, Big Shente, hein, y'a pas de problème. Agrippa, c'est toi? Que fais-tu ici à cette heure? Je suis désolé de te déranger, Flegmi, tu as de la visite. Papa a envoyé quelqu'un pour voir si tu parvenais à déchiffrer les anciens manuscrits. Je sais pas ce que vous feriez mieux d'entrer alors. Oh, let's go. Alors, livre. Oh, j'ai appris le truc, montrer mon cul, let's go. Oh là là, incroyable, j'ai appris à montrer mon cul dans un bouquin. C'est fou ça. Ça devait être un bouquin un petit peu
érotico chelou. Je suis désolé, en ce moment, je suppose que... Mais je... Attends, je suis débordé en ce moment, mais je suppose qu'un mercenaire de beau papa a la priorité. Que puis-je? Ah oui, vous voulez savoir si j'avance sur ce manuscrit, c'est ça? Flick, mais tu oublies quelque chose. Tu t'es même pas présenté. À quoi cela peut-il bien servir? Une formalité chronophage et inutile, selon moi. Mais bon, soit, enchanté de vous rencontrer. Je me présente, Dr. Fleckming, archéologue, entre autres. Zorak Vos qui monte son à tous les personnages importants de ce jeu. Ah ouais! Et vous êtes Zorak, parfait. Je vais essayer de m'en souvenir, mais je ne vous promets rien. Enfin, peu importe. Je crois avoir trouvé dans cet ancien manuscrit un indice sur la nature de l'épidémie. Oh, Fleckming, je savais que tu y arriverais. Il y a une centaine d'années, des ruines furent découvertes à l'ouest de la ville. Ceux qui les découvrirent décidèrent imprudemment de les explorer. Ils ne savaient pas qu'à cause d'eux, un grand malheur allait nous frapper. Une maladie contagieuse. C'est cette maladie qui est à l'origine de l'épidémie qui fait rage. D'après ces manuscrits, il serait plus juste de parler de malédiction plutôt que de maladie. Les habitants réussirent à arrêter cette malédiction contagieuse en l'enfermant dans les ruines et en bloquant l'entrée. Mais pour une raison inconnue, la maladie s'est de nouveau répandue. Ah non merde, c'est elle qui dit ça. Et c'est une question, pas bad. Il est possible que le récent tremblement de terre ait endommagé ce qui l'enfermait. Il suffit donc d'aller au sanctuaire et d'enfermer à nouveau sa maladie? La maladie? Tout à fait, mais ce ne sera pas aussi simple que... Wouah, allez! Wouah, attention! 1, 2, 3, mais ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Wouh! Je suis probablement le seul qui en soit capable. Je me la pète. Oh, tu vas tout réparer et nous sauver, Fleckmi? Ce ne serait pas mal. Peut-être même que ton père trouverait enfin que je suis digne de toi. Pour moi, ce serait aussi l'occasion rêvée d'explorer ces ruines. Cette idée me plaît bien. Le seul problème, c'est qu'il y a apparemment pas mal de monstres en ce moment. Et je n'ai pas envie d'être blessé. Ah, je t'emmène, connard! Crois que je suis là pour quoi? La théorie est que le récent tremblement de terre a abîmé le sanctuaire à l'ouest. Oui. Bah on y va! Il est con. Vous devriez peut-être retourner voir le maire. Ah ok, allez, je dois retourner voir le daron. Le daron, allez voir le daron. Let's go, hein. C'est par où, c'est par là. Le daron, il est à l'étage. Fleckmig, c'était ton crush, Terof? Ah putain, la vache. Oh, je me demandais où vous étiez. Alors, qu'avez-vous découvert? Par le Tout-Puissant, c'est un sort contagieux qui sera à l'origine de cette maladie. La seule manière d'en venir à bout est de réparer un amphore qui se trouverait dans le sanctuaire à l'ouest de la ville. Sans vous, Fleckmig est le seul qui en soit capable. Très bien, la situation est très claire. J'ai l'impression que vous savez plutôt bien vous défendre. Merci Erwan LBG RGN pour le follow Twitch, j'espère t'avoir sur tous les forums de la chaîne d'exemple, merci à toi. C'était pixelisé, on voyait pas grand chose sur DS. Ah le bâtard. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents dans cet arc, mais c'est un arc très psycho, hein. J'ai l'impression que vous savez plutôt bien vous défendre. J'imagine que ça ne vous intéresserait pas d'accompagner de Fleckmig. Plus on est de fou, plus on rit. S'il pense qu'une créature dangereuse traite dans le sanctuaire, je suis sûr qu'il ne sera pas contre un garde du corps. Bien entendu, vous serez rétribué comme il se doit, qu'en dites-vous? Oui, bien sûr. Vous acceptez? Excellent, je suis vraiment reconnaissant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Dans ce cas, ne perdez pas de temps, apportez cette clé à Fleckmig. C'est la clé du sanctuaire située à l'ouest de la ville. Elle devrait vous permettre d'y pénétrer. Bah, let's go. Confiner à jamais cette maladie mortelle est le meilleur moyen d'aider ces gens. Imagine comment ils seront reconnaissants si on y arrive. On nagera littéralement dans la bienveillance. Tu vas redevenir un célestélien en un rien de temps. Bah let's go. Tant mieux que ça, j'ai envie de dire. Alors, faut redescendre du coup. Qu'est-ce qui vous amène? Zorak donne la clé de Caratombe. Carantombe, putain, oh, Dr. Fleckmig. Vraiment, mon papa vous a demandé d'être mon garde du corps? Comment il a fait ça pour toi?
Il a réussi à vous convaincre de m'aider. Bon, j'imagine que je n'ai pas trop le choix. Je ferais mieux d'y aller. Je n'ai pas envie qu'il pense que je ne suis qu'un beau parleur. Ah, je ne pense pas qu'il faille voir la situation sous cet angle, Flegmi. Nous n'avons pas le temps de discuter. Je dois partir immédiatement pour le sanctuaire. Il faut aller vers l'ouest de la ville. Je pars immédiatement. Ne me faites pas attendre. Je suis l'enculé. Oh mince, j'ai pas eu la notif du live. Salut Alexandre. Pour y pénétrer comme dit l'ancêtre, exactement. Tiens la clé pour y pénétrer. Hey. Après mon cher Alexandre, si tu souhaites avoir les notifs, n'hésite pas à aller sur le Discord ou aller sur Twitch, tu auras plus de notifs comme ça. Toujours plus de notifs pour rater de moins, le moins de live possible. Ça aide. Hey, let's go. Merci Roflex pour le follow Twitch avec son plaisir en espérant tous les frères de la chaîne avec son plaisir mais à toi et c'est le 1300ème follow Twitch de la chaîne. Les 1300, let's go. Et merci pour le prime Roflex. Oh, le mec il arrive, il follow, il prime dans la seconde. Merci, tu es officiellement devenu variant de la chaîne. Loki s'occupera bien de toi, merci à toi. Incroyable. Le mec il arrive, il follow, il sub. Incroyable. C'est des fous ça. Allez c'est parti, on va dans les ruines. Let's gong les ruines. Les ruinas comme on les appelle dans le métier. On peut dire que vous êtes arrivé à... Vous avez pris votre temps, Zorak, c'est ça? Vous voyez, je l'avais dit, le mur du sanctuaire s'est effondré lors du tremblement de terre et l'entrée est ouverte. Ça ne laisse rien présager de bon pour le sceau qui est censé confiner la maladie. Nous ferions mieux d'entrer. N'oubliez pas que vous êtes là pour me protéger. Je ne dois pas être blessé. C'est parce que tu joues à mon jeu préf, ça. Bah écoute, merci Ronflex. J'espère que tu viendras aussi sur d'autres lives. Alors, on fait pas que du Dragon Quest, mais on fait plein de trucs. Donc, j'espère que ça te fera kiffer aussi. J'avais claqué les subs quand t'as dit c'est fou. Mais j'attends le retour des Live Wings pour les claquer. Ouais, les Live Wings sont pas prêts de revenir, les gars, pour l'instant. Hein. Mon dos me permet pas de faire des lives trop longs non plus. Malheureusement. Putain, allez, encore un. Oui. Allez, l'XP. Oh là là. Ah, c'est bon, ça. Bon, j'ai pris un peu cher, mais ça va, tranquille. Dragon Quest 9, quel poulet. Salut, Vessim. Salut Mathiax, comment tu vas? Eh oui, un Nuzlocke dans une Costaf, évidemment, j'en avais parlé. Allez, appuie sur le bouton, évidemment, on va aller de l'autre côté. Ah, ça va super, et toi? Bah, tranquille, tranquille. Hein. Ok, graine de compétences. Quelle grâce cette XP. Ah, bah, l'XP, tu l'as, t'es content. Hein. Oh! Meurs! Non! C'est chien! C'est barré l'enculé. J'avoue ton artiste Marcel il dégomme là. Mais mon artiste Marcel il est trop fort. Il est chaud, il est chaud. Ah il a fait double kill. Fiole de sacré, what? Enfin du Dragon Quest, enfin quelqu'un qui a du goût. Merci Armel de King. Et toi tu as du goût d'être sur mes streams. C'est le mec. Boulard sur 20. Tu as joué à Dragon Quest 11? Ouais je pense le faire un jour. Ah putain il s'est barré l'enculé de... De merde, de gluant de mes couilles. Alors on va heal. Parce que le but hein, évidemment vu qu'on est en Nuzlocke, c'est pas de perdre un perso. Ouais d'accord, Dragon Quest 9 est vivement un remake. Oh tellement. Putain. Oh coup de grâce. Voilà. Ok, putain, ah oui, c'est vrai que c'est inondé dans cet endroit, j'avais totalement zappé. J'avais zappé, que c'était inondé. Gluant de métal, il a dit bye bye. Ah, mais les gluants de métal, de toute façon, c'est des salopes. Hein. Ils disent tout en bas. Oh putain! Arrêtez de me foutre moi la paix, bordel! Je me fais agresser à tous les coins de rue là! Moi, à tous les coins de la ruine. Je me fais get ruined là. Oh, mini médaille, let's go! Ça fait deux. On commence déjà en train de stacker les mini médailles. Ok, c'est par là, hop.
On a appuyé sur le bouton. La porte s'ouvre. C'était rapide. Ça n'était pas trop rouillé, ça passe. Bâtard. Hop, ça dégage. Et encore un. Olé. C'est lequel Dragon Quest 9? C'est le 9 là. C'est le 9. Les sentinelles du firmament. Le meilleur, tout simplement. Ah merde, y'a un mob qui va m'agresser quand je... Oh non, c'est bon, il s'est barré. Sont résistantes les mobs de cons. Elles sont un peu résistantes, ouais. Incroyable, c'est identique à ce qui était décrit dans les manuscrits. C'est dans cet amphore que devait être confinée la maladie. Le speedrun, ça change le jeu. De base, c'est tellement lent, je fais quelque chose d'à côté. Moi, je speed entre guillemets avec le truc, c'est pour ça que j'aime bien les émulateurs. C'est comme je le craignais, elle est abîmée, elle a été abîmée lors du tremblement de terre. Les momies, c'est des Brigitte Macron, ah ouais. Ah, nous avons de la chance, la partie portant le sceau est encore intacte. Si tu es un archéologue comme moi, ce sera du gâteau pour réparer ça. Il faut simplement que je rassemble tous les morceaux. Ensuite, je prends ma colle spéciale. Bande de petits fouineurs, vous ne seriez pas là pour essayer de me faire rentrer dans mon petit pot? Vous ne croyez pas que je vais vous laisser faire? Oh que non, l'épidémie va sortir de ses gants et ce n'est pas bon! C'est donc lui la source d'épidémie qui frappe la ville? Flûte, je n'ai pas encore fini de réparer l'amphore. Zorak, ne restez pas là sans rien faire. Si vous ne faites pas votre boulot, je ne peux pas faire le mien. J'ai encore besoin de temps, occupez-le pendant que je recolle cet amphore. Bah let's go. Tu ne veux donc pas mourir, je vais t'offrir un voyage sans retour pour le cimetière. Allez, let's go. Ok, bah alors c'est pas une bestiole cette merde, hein, je pense. Hein. C'est pas un truc métallique, c'est pas un dragon. Et le reste, c'est ça. Wouah! Ils m'en ont endormi 3, l'enculé! Oh la vache! Oh la no-moule! Oh la no-moule est présente! Huch! J'ai mal! Oh le fils de chien! Ah la méga altération, elle fait pas plaisir là! Je vais me prendre de ces tatanes secs, ça va être vénère. Non, il a endormi mon chevalier! Mon gars, ma carrière! Oh, l'enfer! Salut Alex en MJX, comment tu vas? Oh là là! Ne dis pas que ça va être la première mort pour le joueur français, on sait jamais les gars! Allez l'esquive, allez. Okay, on enchaîne les dégâts, on gratte quand même. Ah ouais mais s'il baisse ma vitesse et ma def, ça va vite partir en couille là. C'est la merde. Ça commence à faire mal. Oh là là. Oh là. MDR, je vois TikTok, je vois un stream sur mon jeu préféré. MDR, trop cool. Ah bah écoute, Gouramas, tant mieux. Ouais, le 28, il fait pas bien. Si ton personnage meurt, tu recommences le nozoc. Non, les règles sont marquées là, regarde les règles. Tu regardes les règles tout en haut, tu sais comment ça marche. Pour savoir si on perd la run ou pas.
Bon, après, il utilise beaucoup de trucs de modification de stats, il attaque pas beaucoup. Hein. On a du bol, hein. S'il faisait deux attaques par tour, ça pourrait être compliqué. Hein. Mais attends, mais il va mourir, il attaque en premier le mob. Ouh, ouh, il a attaqué le pal. J'en ai pas perdu un avant je sais pas combien. Ouah. En fait le truc c'est que techniquement il est pas encore mort, parce que dans les règles c'est jusqu'à la fin du combat. Attendez, j'ai pas une connerie. En fait la règle officielle c'est il faut que le mec soit encerclé à la fin du combat. Donc les raises pendant les combats sont autorisées. Malheureusement j'ai pas de sort de raise. Pourquoi? Parce que personne ne m'a mis de heal dans cette putain d'équipe de merde. Je vais devoir me taper Asia dans l'équipe. Oh bordel. Ah, on va mourir. Comment ça? Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Allez, on va y arriver. Déjà, on va essayer de pas perdre tout le monde déjà. Pour être pas mal. Oh putain. Rip McAfee. C'est qui avait McAfee? C'est qui a demandé de faire McAfee le chat? C'était qui avait demandé de faire McAfee le chat? Je sais plus exactement c'était qui avait fait ce perso. On va vraiment faire du 1 pour 1 à ce stade de l'aventure, ça me dégoûte. 17, ça va. Pouah, 29. Mais je vais peut-être en perdre un deuxième en fait. Ok, la défense revient à la normale, parfait. Donc ça veut dire que je me ferai pas tuer par une attaque normale, normalement. Si je suis pas. Si on a du bol. Allez. Ok. Ok, il attaque pas. Il attaque le bon. Surtout que l'épidémon, c'est pas un boss compliqué, quoi, vraiment. Hein. Normalement, hein, je dis bien. 10, ça va, ok, c'est bon. Je suis. OMG. Oh là là, Seven il veut pas lâcher. Seven il veut pas lâcher. Oh non, 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 me les endors pas. C'est bon. Salut Kouramos. Oh putain. J'ai plus de heal. Littéralement là c'est vraiment je bourre et c'est la moule. Ou non. Let's go! Putain, on a perdu un perso sur cette bataille! Oh là là! Ouais, je sais que le tien heal, mais en fait, vu que je faisais les attaques poison, je pouvais pas. Ah, merci de basculer sur Twitch, ça fait plaisir. Ah putain, la vache. Oh, on a perdu un perso! Putain, on a perdu McAfee! Oh, l'enfer! Pourquoi tu as pas fait des remèdes supérieurs avec la chimie? En fait, le problème, c'était pas ça, c'était pas les heals qui me manquaient, parce qu'en fait, les heals étaient bons. C'est qu'en fait, vu que l'épidémie était plus rapide que moi, je pouvais pas heal à temps, en fait. Genre, il attaquait avant moi, et j'ai eu pas de bol, en fait. Parce qu'en gros, premier tour, il m'en a endormi 3. Puis, il y en a un qui s'est relevé, il me l'a réendormi. Puis, t'en as deux autres qui ont pris un tour et demi à se relever.
Puis en fait il a enchaîné avec beaucoup de luck et ensuite il m'a juste debuff tout le temps et je pouvais rien faire. Parce que vu que j'avais pas de mage, je pouvais pas me rebuff derrière. Donc j'étais en full debuff et je me suis fait niquer. Ah putain. Oh là là. Jamais l'épidémon ne se rendra pour de bon. Ah, je suis l'épidémon. J'y suis arrivé. Elle est réparée. C'était moi une. Enfer sacré, enferme ce démon armé. Ah non, pas l'enfer. Voilà, il l'enferme. Rip ce qui va arriver après, hein, évidemment, le chat. Hein. On connaît. Hein. Vous l'avez vu, Zorak, vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai enfermé un cette sale épidémie. Maintenant, mon papa devra en rabattre deux et me témoigner enfin un peu de respect. Puisque vous avez fait ce pourquoi nous étions venus, je peux enfin explorer les ruines à ma guise. Vous pouvez entrer, Zorak. Vous pouvez rentrer, Zorak. Je préfère qu'on ne me dérange pas si ça ne vous fait rien. Je vais jeter un coup d'œil dans ce secteur. Vous pourriez peut-être retourner à Vassili pour leur raconter ce qui s'est passé. Et bon, qui dit boss tueur dit nouveau personnage en réserve, exactement. Ok, let's go. Préparez-vous le chat d'ailleurs, hein, il va y avoir la prochaine question. Alors on fera ça après la fin de cet arc là, parce que de toute façon il faudra retourner à Blitia. Mais on va retourner à Blitia, il faudra faire un nouveau perso du coup. Et appeler Asia, que je dois refarmer cette connasse là. Ça va me faire chier. Allez, let's go, on rentre. Oh putain, mais si je me fais agresser sur la route, on peut encore perdre des persos, hein, c'est pas terminé le chat. Sur la route, y a un malheur n'arrive pas seul. Hein. C'est vite arrivé un malheur. Hein. Merde, putain, mais je rentre vraiment dedans. Allez, let's go. Merde. Oh là là. Oh mais c'est bon avec le jeton d'or, hein, enculé. Hein. Allez, flash et les psy, let's go. Oh non, l'enfer. Ok, c'est bon. J'ai du bol, il a pas rappelé de pote. Allez, on rentre. Non! Ah, c'est bon. Non, ils m'ont arrêté devant la ville. Oh, si j'en perds un alors que je suis à 1 cm de la ville, je me coupe une couille. Ça va, ils font pas de dégâts. Ok, c'est bon. Potrichulnaire, let's go. Hop, allez, on va aller. Alors, on va aller à la. Alors, il va se passer un truc, c'est que. Non, je vais. En vrai, je vais pas aller heal tout de suite. J'irai même heal que à Blitia. Il y avait la musique, ah bah la musique. Faut aller voir le daron, faut aller voir le daron, le ronda. Et ensuite, on ira voir la. Voilà quoi. Pour ceux qui savent, no comment. Allez, le refton là, il est où? Le daron. Oh, j'entendais votre retour, Zorak. Je dois reconnaître que je suis agréablement surpris que Flegmig ait réussi à contenir cette maladie. D'ailleurs, il est où? Où est notre héros? Je pensais qu'il serait avec vous. Comment il est resté aux ruines? Quel imbécile! Dire que je commençais presque à penser qu'il n'était pas si mauvais. Peu importe, quand il daignera rentrer, nous organiserons un banquet pour fêter cela. Vous voulez bien annoncer la nouvelle à Agrippa? Je suis sûr qu'elle sera ravie d'apprendre tout ce qui s'est passé. Les sessions XP, je pense que je les ferai en dehors qu'en live parce que bon, en live c'est pas le truc le plus intéressant quoi. Attendez, il y a ma chaise qui. Voilà. Hop, là on est bon. Hop. Ah. Let's go. Et non, le jeu du siècle. Salut Ati. Prépare les mouchoirs, ouais, prépare les mouchoirs les gars. Pour ceux qui savent pas, préparez hein. Personne ne répond. Agrippa ne respire plus. Je suis rentré, Agrippa. Je vais bientôt repartir. Je suis venu chercher quelques papiers afin de poursuivre l'exploration des ruines.
Agrippa, tu ne dis rien? Ça te va pas, Agrippa? Réponds-moi! Tu n'es pas... Non! Non, pas toi! L'épidémon ne t'a pas emporté! C'est impossible! Je l'ai enfermé! Tout le monde va mieux maintenant! C'était trop tard, pas vrai? Tu étais déjà morte quand je l'ai enfermé. Pourquoi? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais malade? Si j'avais su, j'aurais travaillé plus dur, plus vite. J'aurais peut-être pu te sauver. Oh, Agrippa! La population de Basilie a été délivrée d'une grande menace. Notre soulagement est toutefois obscurci par la tristesse, celle de la mort d'une enfant chère à nos cœurs, Agrippa. Sa disparition est une perte terrible pour nous tous. Nous devons néanmoins la remercier de nous avoir enseigné le sens véritable du mot tolérance. Nous, qui lui survivrons, nous devons faire preuve du même courage afin de surmonter la tristesse de sa disparition. Prions pour qu'elle puisse atteindre les cieux sans encombre et qu'elle repose en paix. Oh, Agrippa! Oh! Allons, ma chérie, nous devons être forts. J'aimerais bien savoir où est parti Flagbing. Comment peut-il être absent un jour comme celui-ci? Des moments les plus badants avec après Aquila, ceux qui savent. Ah ouais, voilà! C'est triste, hein. Nom d'une météorite! Je ne pense pas qu'on récupérera beaucoup de bienveillance, ville ambiance. Ça nous apprendra à nous donner du mal. Personne ne nous aura remercié. Je ne parle même pas d'une récompense. Bon, on doit pas laisser les choses se passer comme ça. Allons voir Germain, le maire, pour qu'il nous remercie correctement. Les musiques sont incroyables. Bah, ça c'est Dragon Quest, hein. C'est incapable de flegmer, il s'enferme chez lui, il n'en sort même pas pour l'enterrement d'Agrippa. Tu n'as jamais regretté de t'être marié avec cet homme, ma chère Agrippa? Oh, Zorak, excuse-moi. J'étais perdu dans mes pensées et je ne vous ai pas entendu arriver. Que puis-je faire pour vous? Ah oui, je ne vous ai toujours pas donné votre récompense. Je suis désolé, mais ce n'est pas tout à fait le bon moment. Cela m'ennuie de vous demander ça, mais vous ne voudriez pas passer chez moi ce soir plus tôt? Je veillerai à ce que votre récompense soit prête. Bah écoute, on va aller dormir. Hein. Y a pas un truc d'ailleurs, ici? Je sais qu'il y a une cage, parce qu'il y a pas une connerie? Non, y a rien, ok. Au passage. Comment ça au passage, Guramos? Y'a un problème, Guramos! Allez, on va pas... Non, putain, je voulais pas passer la journée, enculé! Se reposer. Ouf, la récompense, si je peux me permettre. C'est pas faux. Après, bon, c'est une ville qui était déjà en fou dans la merde, donc bon, je suis pas sûr qu'ils aient grand chose non plus à donner, quoi. Vous savez, c'est quoi le jeu? Ça me dit un truc. C'est Dragon Quest 9. Mon cher Rigmax. Non, c'est en haut. Un pilier. C'est toi, Zora, que fais-tu ici à cette heure? Ah oui, bien sûr, ta récompense pour avoir accompagné le jeune Flegmig. J'avais complètement oublié. J'espère que ce turban suffira. Non, du météorite, je suis vraiment déçu. Rien d'autre, c'est tout ce qu'on récupère pour avoir fait tout ce qu'on pouvait pour ces gens. Si Agrippa n'avait pas passé à l'arme à gauche, tout le monde serait content de la bienveillance et la bienveillance coulerait à flot. On doit pouvoir faire quelque chose pour arranger ça. C'était là les vénales. Ah, de ouf. Hein. Vénal sur 20. Est-ce qu'on... Oh, oh, regardez-moi ce flow. Il est pas beau gosse mon perso comme ça? Rah, le premier à être mouru, triste vie. Un turban à plumes et un fouet. Que demander de plus? Salut Baptiste VNR, c'est le 9. Prochaine ville, on passe un gros cap en même temps. Ouais, c'est vrai. Merci Guramos pour le follow Twitch, Sportovers, tous les fans de la chaîne, avec son plaisir, merci à toi. Et je voudrais s'il vous plaît un petit plus GG, car il avait fait quand même le voyage de TikTok à Twitch. Ça c'est les GOAT qui font ça, donc on le remercie. Ce serait très sympa.
Il avait une sacrée tête, McAfee. Ah bah écoute, hein, c'était le chat qui avait décidé. Hein. Ah putain, mais de Mathiax, tu viens de la chaîne de Angel. Ah, tu viens de la chaîne d'Angel Absol. Putain, je savais pas. Ah, je suis morte, on dirait. Attendez, vous pouvez me voir? Incroyable, je sentais que vous étiez différents, Zorak. Mais je ne pensais pas que vous étiez l'un d'entre eux. Merci Red Flanders pour le follow Twitch. J'ai pas envie de voir tous les forêts de la chaîne d'exemple. Merci à toi. Quel coup de chance, vous allez sûrement pouvoir m'aider. Voyez-vous, j'aimerais essayer de remonter le moral de Flegby. Il est vraiment très déprimé et je ne le vois pas reprendre du poil de la bête tout seul. Vous voulez bien m'aider? Oui. Merci, merci. La première chose à faire est de le tirer de son laboratoire. Je suis sûr que vous trouverez un moyen d'y parvenir. Allez là-bas, il en avisera sur place. Salut Darkelec, comment tu vas? Je suis souvent là depuis pendant les raids, mais avec ce que je fais sur le côté, c'est pas toujours facile de discuter. Ah oui, je comprends tout à fait. Merci Artinan pour le feu Twitch, j'espère te voir sur tous les forums de la chaîne d'exemple. Merci à toi. Oh là, je me souviens de ce jeu. Quand j'étais plus jeune, j'étais bloqué sur la grosse sur la boss baleine. Faudrait que j'arrive à le retrouver. Le boss baleine, moi aussi j'étais bloqué au départ parce qu'en fait je ne savais pas, mais il y a un boss avant le boss baleine. Donc quand j'avais affronté le boss d'après, bah qui était techniquement celui d'avant, bah c'était beaucoup plus simple. Ça va toi, bah tranquille, un peu mal au dos comme toujours, hein. Ça change pas, mais bon, hein. On va dire qu'on s'en accommode. Cette porte est fermée à clé de l'intérieur et ne peut pas être ouverte. Vous n'y arriverez pas comme ça, Zorak. Flegby ne sortira pas si vous utilisez notre... ne sortira que si vous utilisez notre code secret. Zorak frappe à la porte comme Agrippa lui indique. Agrippa, Agrippa, c'est toi? C'était... C'est vous qui avez frappé comme ça, Zorak? Imitez le code secret d'Agrippa. C'est vraiment une blague de mauvais goût. Ne refaites jamais ça. Hé, hey, Flegby, je suis content de te voir. J'ai justement un message pour toi. Merci de nous avoir débarrassé de cette horrible maladie. Les habitants de Bacilli te remercient. Ils te doivent une fière chandelle. Ah oui, et on espère que tu reprendras vite du poids de la bête. Tout le monde s'inquiète pour toi. Mais qu'est-ce que... Zorak, j'aimerais que vous transmettiez un dernier message de ma part à Flegby. Pouvez-vous lui dire que je voudrais qu'il aille voir les gens qu'il a sauvés en enfermant ce démon? Oh, attendez, hop. Voilà, là on est bien. Oui, bien sûr. Zorak transmet le message d'Agrippa au docteur Flegby. Agrippa vous a dit ça? Mais je ne saurais pas par où commencer. Je ne sais même pas qui était malade. Tout ce que je voulais à l'époque, c'était arranger mes relations avec beau papa. Zorak, j'aimerais que vous me fassiez rencontrer tous ceux qui étaient malades. Je sais que c'est un peu tard, mais je voudrais commencer connaître ceux qui ont été frappés par cette maladie et ceux qui les ont ressentis. Ainsi, je comprendrai peut-être ce qu'Agrippa a pu vivre. Si vous pouvez l'accepter, Zorak, je pense que c'est ce dont il a besoin. Oui, bah j'accepte. Le Dr. Flegby rejoint l'équipe. Let's go. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que t'es malade. Je me sens vraiment mal. C'est impossible, la maladie a été confinée. Comment peut-il être encore malade? Ce n'est rien, ce vieillard a juste un rhume. Vous voulez bien lui dire, Zorak? Zorak explique tout au docteur Flegby. Ah, je vois, quel soulagement. Zorak, n'oublie pas d'aller voir la petite fille. Comment ça, aller voir la petite fille, de quoi tu parles? Je comprends pas ce que tu dis, Blast. Agrippa ne peut pas être une des... Ouais. Ah bon, s'en fout. C'est le vieux normalement qui dit parle à Agrippa. Oh, livre. Ah non, merde. Livre, j'ai dit, connard. En plus, il y a des recettes. Let's go. Pourquoi ta maladie t'a emporté, Agrippa? Pourquoi toi? Eh bien, c'est vous, Dr. Flegbing. Le moins que je puisse faire, c'est de vous remercier du fond du cœur. Personne n'a été malade chez nous, mais j'avais tellement peur que ma femme et mon fils se tombent malades. Oh, je suis désolé. Quel imbécile de dire ça. Je n'y ai pas réfléchi, je suis désolé. C'est sur qui t'as bloqué pendant 45 minutes? Car t'es pas allé la voir pour pouvoir continuer le jeu MDR. C'était où qu'elle était, la petite fille?
dernière fois que j'y ai joué, il y a 3 jours, j'ai récupéré une grotte avec des glions de platine dedans. Putain la vache! Chat! Docteur Flegmig, je vous remercie du plus fond de du cœur d'avoir sauvé ma femme et ma fille. Votre femme et votre fille? Elles étaient malades toutes les deux? À étage, ok. Oui, je vous assure que j'en ai passé des nuits blanches. J'ai cru que j'allais les perdre toutes les deux. Vous êtes notre sauveur. Ok, donc ça c'est la daronne. Ah, c'était elle du coup, la petite fille, ok. Et si petite fille était atteinte de la maladie? Comment ai-je fait pour ne pas voir qui était malade? Ne quitte pas Visva, Flegby. Sans toi, ils seraient tous morts. Je refaire le jeu, là, je pense. C'est souvent comme ça que les gens... C'est souvent ce qui arrive quand je stream sur DQF. Les gens sont en mode, ah, vas-y, j'y rejoue. Parce que le jeu est trop bien. Hein. Le jeu est excellent. Alors oui, alors c'était pas là que je voulais aller. Ouais, je suis d'accord, ces grottes-là sont assez rares. Hein. Moi, souvent, j'ai des grottes de merde quand je les farm. Pas trop de bol. Alors le dernier, c'est le vieux avec sa femme lapine, là, qui est là pour son fric. Je vais refaire aussi en os de hardcore, MDR. Let's go! Ah, vous êtes le docteur Flegmig, pas vrai? Celui qui vous a débarrassé de cette méchante maladie? Oui, c'est moi. Vous avez été malade? Merci du fond du cœur. Un peu plus et j'aurais été séparé de mon poussin à tout jamais. Grâce à vous, je peux lui faire autant de m'amour que je veux. Vous ne voulez pas un petit bisou pour vous remercier? Non merci, ce n'est pas vraiment nécessaire. Il ne manquerait plus que ça. Pour qui elle se prend celle-là? Ne t'approche pas de mon Flegmig avec ta sale tenue bizarre et tes propositions douteuses. Après, DQ11 est meilleur, j'ai trouvé. Celui-là, c'est surtout les nostalgies qui parlent. Ah, en vrai, il est excellent aussi. C'est vrai que le endgame de DQ11, je l'ai pas trouvé incroyable. C'était pas mon préféré pour le coup. Il est pas mauvais, hein, mais c'est loin d'être parfait. Je crois que j'en ai vu assez, rentrons à mon laboratoire. Contrairement au 9, le 9 t'as tellement de trucs à faire par rapport au 11 après. Limite t'as un deuxième jeu après le jeu quoi. Oui je suis d'accord que les personnages principaux entre guillemets sont vides de DQ9 parce que les personnages principaux tu les crées toi-même et c'est des randoms. Mais justement déjà t'as plus de création donc c'est plus t'es un peu plus attaché à eux quand même. Alors t'es moins attaché à eux sur le fond parce que tu les connais moins parce qu'il n'y a pas vraiment de caractère mais t'es quand même attaché à eux parce que tu les as fait. Par contre je trouve que les autres personnages, c'est-à-dire les méchants, les personnages qui sont créés eux, qui sont dans l'histoire, eux ils sont beaucoup plus développés. Le 11 est incroyable sur le développement des personnages autres que ceux que t'as toi. Je dois vous remercier, vous m'avez montré ce qu'Agrippa voulait que je voie. Tout ce que j'ai fait, c'est toujours pour moi, et je me suis jamais beaucoup préoccupé de ceux qui m'entouraient. C'est pour ça que je n'ai pas remarqué qu'Agrippa était malade. Je suis impardonnable, je le sais. En parcourant la ville aujourd'hui, je me suis rendu compte pour la première fois du nombre de personnes qui m'entouraient. Dorénavant, j'essaierai de m'intégrer davantage à la communauté. Yo, c'est quoi les règles du Nosedoc sur DQ9? Regarde juste en haut, il y a les règles! Seulement, DQ9 était fait pour jouer en multijoueur de ce que j'ai pu lire. Ah ouais? Ah peut-être pour ça aussi. C'est le meilleur jeu Dragon Quest, celui-là. On est d'accord Théo. Le 11 manque, je trouve cruellement d'utilité au monture. C'est pas faux. Et je dois admettre que c'était agréable d'être l'objet de tant de gratitude. Merci d'avoir aidé Flegmig à se reprendre. Vous m'avez permis de réaliser mon rêve, même si ce n'est qu'après la mort. Qu'après ma mort, pardon. J'ai toujours rêvé que les habitants de Bastille se rendent compte combien Flegmig est fantastique. Et de son côté, il se met à aimer cet endroit. C'est exactement ce que je voulais, ce que j'avais toujours désiré. Ah, on dirait que je n'ai plus le temps. Le moment est venu de nous quitter. Pas de chance.
L'aube approchant, Zorak décide de rentrer à l'auberge pour se reposer. Le jour se lève. Bonjour! Enfin, je devrais dire plutôt bon après-midi. Et quel magnifique après-midi, en effet. On dirait que tout le monde est redevenu joyeux. Parce que c'est bon, il y a eu... J'adore comment c'est horrible, parce qu'en soi, c'est genre... Tout le monde est redevenu joyeux. Bon, elle est morte, mais ça passe. C'était hier. Nous y sommes arrivés, Zorak. Nous avons réussi dans du météorite. Tu t'en aperçois sûrement pas, mais la ville déborde de bienveillance. Tu mériterais une promotion pour avoir rendu autant de gens heureux. Du boulot de haut vol. Enfin, sans vouloir te vexer. Et ça veut dire qu'on peut faire repartir l'Orient Express. En voiture tout le monde, attention à la fermeture des portes. Allez, on se dépêche d'y retourner à toute vapeur. Un remake du jeu, ce serait le meilleur truc, je suis d'accord. Bon, enfin, mort, c'est pas grave. Ça. Non, putain! Ah, il y a un problème, il y a quelqu'un qui a ressuscité là. Désolé, on est obligé de le garder, hein. J'ai pas encore le TP, donc je peux pas le ramener au truc, hein. Mais bon, techniquement il est plus là, hein. C'est pas grave, hein. On va essayer d'esquiver le maximum de combats. Putain de merde. Bon, il nous fait un critique. Vous avez vu, regardez, il est revenu de la mort, il a fait un critique pour dire je pars, mais je pars avec une note positive. Ah merde. Hop, c'est parti. Laissez. Donc on laisse McAfee. Attends, il a pris les équipements avec lui ou pas? Fuck. Attends, non. Si, putain, il a pris les équipements. Attendez, faut le reprendre. Faut le foutre à poil. Non, je vais le reprendre et comme ça, parce que j'en aurai une unité après. C'est pas grave. On va le laisser dans la team juste la fin d'épisode. Et c'est parti pour la création du nouveau perso de la commu. Quoi? Ah putain, il y a un nombre limite. Ah putain, ça va être chiant ça. Ah c'est casse-cou de ouf, il y a un nombre limite. Oh l'enfer. On pourra pas les garder. Oh putain, faudra que j'en jette certains. Oh c'est horrible, pourquoi ils ont pas mis un max? Pourquoi ils ont mis un max, pardon? Complètement con. Allez c'est parti. Qu'est-ce qu'on va mettre comme question? Je réfléchis. Enfin, une question Dragon Quest 9, évidemment. Mais on va faire quoi comme question Dragon Quest 9? Je réfléchis. Je suis en train de réfléchir. Putain, c'est compliqué ça. J'ai pas d'idée. Ouais. Allez, le Zorak va réussir à réfléchir. Désolé le chat, hein, c'est juste que j'essaye de... Matex, c'est une idée de question, bah oui, comme ça il aura la réponse du coup. Allez, ça va être une question JDR les gars, parce que vous savez mon amour du JDR. C'est parti, préparez-vous.
Est-ce que vous êtes prêts, le chat? Déjà, est-ce que vous êtes prêts à taper sur vos claviers? Est-ce que vous êtes prêts à partir? Déjà, je veux savoir si vous êtes prêts à taper sur vos claviers. Parce qu'après, sur Naïve des Web, j'étais pas prêt. Hein, voilà. Ok, on est prêts. Quel est le nom de l'émission de JDR réalisée en partie par Mister MV? C'est parti. Le premier à répondre gagne son personnage. Ah mais Wolfried, t'as déjà un perso, je crois. Hein. Oh les gars, vous avez pas... Ah non, Table Quest, c'est AlphaCast. Attends, Wolfried, t'as déjà un perso? T'en as pas? Bon, Wolfried, est-ce que tu remets ton personnage en jeu pour la commu en mode on refait une question des Q9 parce que les gens ont pas l'air de voilà quoi. C'est vrai que ça serait RP qu'on fasse des questions des Q9. Merci Dylan MJN pour le follow Twitch, ce matin on rase tout le différent de la chaîne avec son posé, merci à toi. Est-ce que tu relances Wolfried? Tout est sur les épaules de Wolfried le chat, hein, c'est pas moi qui décide. Est-ce que tu relances? Est-ce qu'on annule la question? Non, je joue en perso. Ah, le bâtard! Bon, allez, je suis désolé, Wolfried, je vais relancer. Je vais relancer. Ça va être une question très pointilleuse que Wolfried. Parce que Wolfried, tu peux l'avoir. Allez, c'est parti. Rien à foutre, de toute façon, je suis sur mon stream, je fais ce que je veux. Allez. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Il y a une ville dans le jeu qui s'appelle le Mont Dracocardis, je crois. Ou alors c'est la ville d'après, je ne sais plus exactement. Mais la ville dans les montagnes. Dans cette ville, il y a un chemin dans les grottes. Killy Magmaro, voilà, merci. Il y a un chemin de grotte qui permet d'aller jusqu'au dragon. Où on l'affronte. J'aimerais savoir, sur ce chemin, quel est le nom de l'objet maudit récupérable dans le coffre rouge. Voilà, il y a un coffre rouge sur le chemin, il y a un objet maudit que j'ai utilisé dans mon aventure. Alors, attention Dark Alex, c'est pas exactement ça. Ah, le home d'Hadès, bien joué. C'est Dark Alex qui a gagné, bien joué. Et encore, il y avait beaucoup de gens qui l'avaient, je suis étonné. Bien joué. Facile. Facile. En vrai, ça va le chat. Elle était bien comme question. En vrai, elle était assez pointue et pas trop compliquée non plus. Elle était bien. Moi, je trouve qu'elle était bien. Moi, je suis content de ma question. T'inquiète, Wolfried, t'auras le droit à un perso si c'est un chou. Il faut retenir, il fallait retenir la dernière aventure qu'on avait fait sur DQ9, les gars. Fallait se souvenir. Allez, c'est parti. Du coup, Dark Elec, la classe, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est pour pas avoir sub pendant le live parce que tu voulais sub dans le prochain truc. Encore un mage? Putain, deux mages de suite. Ah ouais. Oh, on va avoir une team de full mage à un moment. Oh merde. Oh, ça va être un enfer. Il y a un moment, je vais avoir deux mages dans ma team. Oh. Ah. Attention. Il y a un changement. Changement de dernière minute. Gagnateur. Mais t'as pas, donc guerrier. Ok, encore un guerrier. Bah écoute, pourquoi pas. C'est vrai que mage, c'est très polyvalent, je suis d'accord. Homme-femme, du coup. Femme. Taille de 1 à 5 évidemment, comme d'habitude, hein, on connaît. Deux, ok. Cheveux, pareil, la ligne, puis ensuite le numéro de sur la ligne. Après, le speedrun se fait avec 3 mages dans la team, donc c'est jouable. Ouais, mais vous savez très bien que je suis pas speedrun, moi. 1-4. Couleur de cheveux.
Point, 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 point. Rose, ok. Visage, c'est pareil. Rapapap. Parapapap. Couleur de peau. Tu peux totalement faire un mage healer, mage DPS, mage AOE et un mage buff et debuff. Ah ouais. Oh la team 4 mages là. Ça serait pas... En vrai, pourquoi pas faire ça quand on aura fait le Nuzlocke, faire un Nuzlocke mais un Nuzlocke mono classe. Vous en pensez quoi le chat? Genre on tente un Nuzlocke mono classe voleur, une connerie comme ça, genre vraiment une merde absolue. Genre vraiment le truc infinissable. Ça pourrait être galerie, ça pourrait être galerie. Monoprêtre. Je l'appelle Darkette. Oh le nom. On dirait le mélange entre une disquette mais qui est dark, tu vois. C'est une disquette d'humour noir en fait. C'est une disquette d'humour noir le truc. Ou Calice comme tu veux. Calice je préfère, perso je préfère. Le chat, Darkette ou Calice? J'avoue que Calice est quand même un peu plus joli hein. Renabil, comment tu vas? Kali, je trouve ça un peu joli quand même. Parce que bon, Darkette. Genre, franchement, on est pas loin de la Darkequette quoi. Hein, si j'ai pas envie d'être. Si j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie de faire des blagues à la con d'enfant de 3 ans. Mais bon, voilà, on est vraiment pas loin quoi. Allez, Kalis. Kali, c'est mon perso principal de ma run actuelle. Ah, bah cool, bah voilà, justement. C'est cool. Oh la Kali. Et voilà, on va se laisser là tout simplement pour cette session de Dragon Quest 9 les sorties du firmament. Je sais qu'on devait s'arrêter à Sylvan, mais au final, vu que le chat était motivé, on a été jusqu'à l'épidémon. On se retrouve demain pour la suite des aventures. Je mettrai le playing de la semaine sur le Discord. Donc n'hésitez pas à aller sur le Discord pour avoir toutes les informations. Comme d'habitude, le YouTube pour avoir toutes les rediffs de tous mes lives, que ce soit mes anciennes aventures sur tous mes jeux, etc. Et vous serez aussi, si vous êtes sur le Discord, notifié dès qu'un live sera lancé. Malheureusement, cette commande de Discord ne fonctionne pas. Si tu veux savoir, tu as juste en bas du live. Si tu es sur PC, mon petit rectangle, ou alors tu dois aller dans mes à propos sur ma page Twitch. Et j'aimerais, pour cette fin de session, un petit rip et un petit au revoir pour McAfee, qui sera malheureusement la première victime de ce Nuzlocke et qu'on ne reverra pas. Mais j'aimerais quand même qu'il reste dans nos cœurs à jamais, ce petit. On se dit à demain pour ces aventures. Salut tout le monde et merci encore. Ciao, ciao, bonsoir. À la prochaine.